Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la découverte de Artisan TD en démo ici aujourd'hui. Donc on profite du NeoFest Steam. Hein. Beaucoup de démos sont disponibles actuellement, y compris Artisan TD qui est du studio Unexpected, studio français évidemment que beaucoup de gens connaissent de par Zerator puisque c'est la personne qui possède le studio. Mais voilà, c'est du coup les gens dans le studio qui bossent là-dessus et pas Zerator directement. Voilà, il y a pas mal de gens qui pensent que Zerator bosse dessus, c'est pas vraiment ça qui se passe. Mais bref, on est parti pour Artisan TD, un jeu de Tower Defense a priori, mais on va découvrir ça ensemble. Salut HX, hâte de découvrir cette soirée démo, j'avais bien aimé. Il y a presque un an, Viewfinder, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une soirée démo, hein, terrible. Hein. Artisan TD, oui, TD pour Tower Defense, du coup. Bienvenue valeureux aventurier dans Artisan TD. Érigé d'ingénieux labyrinthes, ralentissant les monstres et maximisant l'efficacité des tours que vous découvrirez tout au long de votre périple. Adaptez vos stratégies aux monstres inconnus que vous croiserez et devenez assez puissant pour vaincre les titans, en majuscule, qui règnent sur l'archipel du chaos. Bonne chance, héros, et que votre aventure commence pour la gloire et l'honneur de la guilde des artisans. Donc on a une petite map, ma foi assez simple, mais suffisante. Et donc on a un petit point là-haut, j'imagine que c'est... Ouais, c'est le premier niveau. Ok. J'ai l'habitude sur ma tablette, je pars à Leclerc avec... Il y a un mec qui a encore plus la fenêtre avec le peu d'air. Hein. Ah, tu t'es fait voler ta tablette? Merde. Terrible. Terrible, Oni. Et t'as pas réussi à récupérer ton compte? Terrible. Je vois... C'est des niveaux de difficulté? On va rester artisan, c'était celui de base, je crois. Je crois, hein. Oui. C'est parti. Donne. Ça part en fait. Oh. Dans Artisan TD, il faut empêcher les monstres de passer d'un portail dimensionnel à l'autre. Si vous y arrivez, vous révélerez ces environs et pourrez chercher un nouveau plateau. Oh, donc on avancera vers la mission suivante, j'imagine. Votre mission est de libérer l'archipel du chaos de la corruption pour la gloire de la guilde des artisans. Sélectionnez la plaquette. Muraille. Alors attendez, je vais déjà me décaler. Hop. C'est bon, je ne flotte pas, tout va bien. Je vais me décaler. Donc muraille, on voit là-bas, bloque les ennemis, peut être construit à tout moment, ne peut être vendu en cours de vague. Ok. Le chemin des monstres est trop éloigné de la tour archer. Ah oui, c'est la tour qui est là. Placer une muraille sur le chemin. Ah oui, ok, ça va déplacer le chemin pour qu'il fasse le tour. Mais j'imagine que tu ne peux pas bloquer complètement le chemin, sinon c'est un peu con. Ok. Lancer la vague. Mais 5. Ah, c'était 5 de thunes, j'ai pas fait gaffe. C'est quoi ça? Ok. Le mec appuie sur tous les boutons. C'est quoi ça? Ok. Go! Donc là, ça part. Et là les archers, ils vont faire. Ok. Ah, je gagne 1 balle par petit mob tué. Ok. Ok. Niveau son, c'est bon, vous l'avez? C'est suffisant? Agrandissez votre labyrinthe en construisant une nouvelle muraille. Ah oui, là, ils vont être obligés de faire tout le tour. Et on a gagné 5 balles. Merci pour le tuto, Ratiflamme. Pas de problème, content que ça vous aide. Hop! Et donc là, j'ai plus de thunes. Ah, j'ai 20 vies. Ok, portail d'arrivée. Merci Kemix pour le 14e mois. Bonsoir Olo, bonsoir tout le monde. Je peux enfin venir sur le stream après 2 mois sans pouvoir. J'ai réussi à terminer le let's play de Kingdom Come. Déjà 14 mois, ça passe vite. Bon stream à toi. Merci beaucoup Kemix. Merci d'avoir rattrapé le let's play Kingdom Come. Et merci pour les 14 mois. Merci beaucoup. Vous n'entendez pas? Le son, c'est ok. Ça a l'air d'être suffisant. Salut Charlie. Mais dites-moi si c'est pas assez. Hein. Je monte le son. Hein. Ouais. Et c'est suffisant là? Non mais ça va passer là, ça va passer. 100% ça... Ah quoi que... Ah si ça passe, il y en a au moins un qui passe. Ah non, ok, let's go. Mais la range de la tour... Ah oui ouais, ok. Ah oui c'est large quand même. La prochaine vague sera la dernière pour vous défendre, améliorer votre tour. Ah on peut améliorer le... Hein? Ah faut cliquer, ok, parce que je voyais améliorer 10 là, mais je me disais bah, comment on fait. Ok. Donc quand tu cliques dessus... Ok. Améliorer 10 et j'ai 15. Alors là par exemple, si on voulait zoulouter, prendre une tour et la mettre là. Ouais on peut pas, on n'a pas le droit. Et donc comme n'importe quelle tour bloquerait complètement le passage des monstres, du coup on peut pas mettre de tour, on peut plus en mettre. Ok. Donc faudra faire attention à ça j'imagine. Bon, hop. Ok.
Ça c'est pour revendre, mais on peut pas parce que c'est le tuto. Ah, et là, si je veux, je revends et ça coûte 3. Ah, ça me rend que 3 par contre. Ah oui, c'est gratuit si tu revends avant le moment où tu l'as. Avant de lancer le round, quand tu l'as posé. Vous voyez, si vous posez une tour et que finalement vous vous rendez compte que vous avez fait de la merde, si vous la revendez, c'est gratuit tant que vous n'avez pas lancé une vague. Pas assez clair pour vous. Pour moi, c'est très clair pour l'instant. Pour moi, c'est très clair. Ah oui, ouais, ça enchaîne là. Oui, on a deux archers, on voit. Est-ce qu'on peut réaméliorer? Ah oui, on peut! Oh! Oui, là, c'est max, ok. Ah, on peut pas réaméliorer. Et donc là, il y a trois archers, ouais, ça déroule là. Oh! Ok. Bon, évidemment, j'attends la suite, hein. On va voir comment ça se développe. Ouais! Je crois que ça veut dire 3 étoiles plus dorées, ça veut dire que je suis le meilleur joueur, je crois. Je crois que ça veut dire que je suis le meilleur. Vague moins 3 pour revenir en arrière? Réessayer, carte. Salut Balou! Bon, ça va, vous comprenez, tout va bien? Est-ce que le son c'est suffisant? Ou est-ce que vous voulez que je vous montre le son? Je sais pas, ça se trouve dans les options. On peut... Bah non, tout est à fond. Tout est à fond, mesdames et messieurs. Mais je peux vous monter le son, moi, de mon côté, si vous estimez que c'est pas assez. Découverte des tours. Ça va. Je trouve ça un peu low. Je vous monte un peu le son. Je vous monte un peu le son. D'accord. Je baisse le son des annonces pour pas qu'on meure. Alors, sélectionnez la tour archer. Ah, ça coûte 10. Oui, parce que du coup, on met les tours d'archer sur les tours. D'accord. Ok. Dégâts 6, portée 18, cadence 0,7 par seconde, sol, air. Donc ça tape les ennemis au sol et en l'air, j'imagine. Et pénétration 30%. Pénétration 30%, je sais pas. Posez-la sur la muraille, vous pouvez construire, améliorer, vendre vos tours à tout moment. Tant que la vague n'est pas lancée, une tour peut être vendue sans malus. Ok. J'en mets ça là. Par contre, ça me dérange un peu, c'est que le plateau, il n'est pas au milieu. On peut pas le décaler ? On peut pas le décaler. Ok. Salut Ao. Sélectionnez cette muraille mal placée pour la revendre. Vous pouvez vendre les murailles que lors des phases de construction avant chaque vague. Mais du coup, je gagne quand même que 3 parce qu'elle n'a pas été construite pendant cette vague. Ok. Vous pouvez maintenant acheter une muraille et la placer de manière... Ah oui, voilà, je suis monté à 5. De manière à placer... Pardon, et la placer de manière à rallonger le chemin des monstres. Vous pouvez construire des murailles à tout moment. Tant que la vague n'est pas lancée, vous pouvez revendre une nouvelle muraille sans malus. Ok. Ils insistent bien là-dessus. Hein. Donc là, ouais, faut le mettre là pour qu'il fasse tout le tour. Évidemment. Oui. Bah, vous avez compris, quoi. Vous avez compris, je pense. Hop. Et donc, là, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, on lance. Et donc là, il faut espérer. Comment je fais pour... Ah, voilà, ok. Clic droit pour enlever. Et là, je gagne de l'argent en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je monte à 10 pendant cette vague, je peux remettre un archer là, en fait. C'est ce qu'on va faire. Hein. Hop. Ok, classique. 10 balles. On a 10 balles en plus. La prochaine vague est pleine de monstres corrompus. Ils ne rapportent pas de pièces. Survoler un portail. Bah, j'avais demandé comment on peut savoir. Survoler un portail pour avoir des indices sur ces prochaines vagues. Survoler une tour ou une case pour voir leurs caractéristiques dans la zone info en bas à droite. Osseux. Pourquoi c'est en violet osseux? Ah, parce qu'ils sont corrompus. Ok. Donc osseux corrompus, puis normaux, et enfin rouge. Je sais pas ce que c'est en rouge. On verra à ce moment-là. Donc on voit qu'il y a 5 vagues. Ah oui, là-haut, 2 sur 5. Ok. Bah, pour l'instant, c'est très clair. Hein. Pour l'instant, c'est très clair. Donc là, le truc, c'est que j'ai 10 balles. Donc soit j'améliore un archer, soit je rallonge encore le chemin des monstres. Et dès que je récupère 5 balles, mais ce ne sera pas le cas ici, j'aurais pu mettre un archer. Mais comme ce ne sera pas le cas, peut-être que juste améliorer celui-là pour ce round, c'est bien peut-être. J'améliore celui-là. On y va. Ah oui, là, il faut 2 flèches pour les tuer, du coup. Les corrompus ont plus de points de vie, on dirait. Hein. Je sais pas si ça serait une vérité générale, mais... Ok. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Hein. Vous allez voir, j'aime bien le côté stratégique, réflexion en avance. J'aime beaucoup ça.
Et j'ai cru comprendre avec quelques posts Twitter que c'était poussé très très loin dans ce jeu, le côté réflexion et vraiment être parfait sur certaines runs pour avoir vraiment la meilleure note possible. Ça a l'air d'être assez bien foutu à ce niveau-là. Et c'est un jeu de chill en vrai. C'est chillos. Donc là, c'est passé tranquillou, mais on n'a pas eu d'argent du fait. Donc là, je peux juste passer à la suivante. Et comme là, on a des ennemis qui vont apporter des pièces, on va se préparer à mettre une tour là. Je pense. Voilà, bon, on met déjà une tour. Et dès que j'ai re-10, on met ça ici. Ah oui, ils sont nombreux. Hein. Oh. 9. 10. C'est mis. Ok. Prochaine chose qu'on va faire, c'est améliorer celui-là. Puisqu'il a plus de surface que lui. 7. 6. 7. 8. 9, 10. Bon, c'est la fin. On va quand même améliorer ça, je pense. J'ai pas d'intérêt à... Parce que la seule tour que je peux faire maintenant, c'est là-bas dans le coin. Et bah, elle sera très peu utile, quoi. Parce que la tour qui est là, elle va pouvoir taper ici. Et c'est de là, quoi. Donc c'est tout. Vaut mieux améliorer celle-ci. Après, je pourrais améliorer niveau 3, même. Vaut mieux avoir tout niveau 2. Ah, mais lui, il est niveau 1 encore. Terrible! C'est un jeu en démo. Il est pas encore sorti, non. Il n'est pas encore sorti. Je sais pas s'il y a une date prévue. Je pense pas. J'ai pas vu. Si vous avez l'info, n'hésitez pas. Donc la prochaine chose à faire, ce sera améliorer lui, je pense. Ou lui, en vrai. Hein. Lui, il est vraiment en plein milieu. Il touche quasiment tout le temps. Vas-y, on l'améliore. Je pense qu'après, il faudra réaméliorer lui. Ça tout de suite. Donc lui, il est niveau max. Lui, niveau max aussi. On va améliorer celui-là. Hein. Mais là, il n'y a plus de... Plus de thunes à récupérer. 22 juillet, ok, merci pour les infos, c'est gentil. Bah peut-être qu'on y jouera à la sortie, on verra. Hein. On va voir, parce que pour l'instant, en tout cas, ça démarre bien, mais c'est que le tout début, évidemment. Merci Oniluki pour le follow. Bienvenue. Donc là, j'ai un bal, je peux rien faire de plus, donc on va juste lancer la vague. Alors la dernière vague, c'était en rouge. Mais peut-être rouge parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dedans. Je sais pas à quoi correspondent les couleurs. Et je fais clic droit, clic gauche, là, il se passe rien, donc... Je sais pas ce que rouge, ça signifie. Donc là, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est améliorer ça ici. Ou mettre une tour derrière après, quoi. Parce que eux sont déjà niveau 3, on le voit ici. Hein. Il y a 3 mecs dans la tour, donc ça, on peut améliorer. Prochaine chose à faire, ce sera de mettre une tour là. Et mettre un archer ici, si on peut. Ouais, on peut. Et l'améliorer dès que possible. Voilà, on a fait le max, on peut rien faire de plus. On peut rien faire de plus. Eh, hey, propre en vrai. Hein. Bien géré là, je crois. Hein. Bien géré. Eh, hey, oh, ouais, j'allais dire, ils vont pas finir quand même là. Bah voilà. Vague 2. Pour revenir à la vague 2. Mais pourquoi avant c'était écrit vague moins 3 par exemple? Je sais pas. Bravo! C'est chill! Que l'aventure commence, nouvelle tour, gel et arbalète. Hein? Quoi? Ce plateau contient des cases spéciales non constructibles. Ah, non constructibles. Ralenti 30%. Ralenti les monstres terrestres. Ce plateau contient des cases spéciales. Elles peuvent avoir des effets bénéfiques comme le sable qui ralentit ou des effets négatifs comme la case corrompue qui soigne les monstres. Non constructible soigne 10%. Par seconde plus 2 par seconde. Ah, donc 2 flat plus 10%. Ok. Survoler les cases et les tours. Ok, ouais. Et ça, ça fait 10%. En fait, ça fait pile l'inverse, quoi. Ok. 2 de dégâts par seconde plus 10%. Ok. Ok. Et les autres cases ne font rien. Donc là, dans l'idée, ce que tu veux faire, c'est leur faire faire un petit serpentin. C'est-à-dire que la première tour que tu vas vouloir mettre, de toute façon, elle est là. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, pour rallonger le chemin des ennemis... je pense qu'à terme, tu vas vouloir que les ennemis passent ici, là, ils remontent là et ils arrivent là. Et ça c'est le truc optimal. Est-ce qu'on va réussir à faire ça? J'en sais rien. Est-ce qu'on aura assez de thunes? Il y a cette vague quand même. Les ennemis, on a humanoïde, volant. Ah, volant. Armure, ninja. On va faire le tour de tous les ennemis, en fait, je pense, du jeu, là. Je pense qu'on est mieux de mettre une première tour ici. Comme ça,
Les ennemis, quand ils vont passer là, on va les taper tout le temps. Alors que si on met une tour là, on pourra les taper que... En fait, ça change rien. Ouais, non, ça change rien en fait. Ça change rien, ça change juste que là, on pourra pas les taper trop quand ils seront dans le sable, alors que là, oui. C'est quoi le jeu? C'est du Tower Defense, ouais, c'est Artisan TD le jeu. Artisan TD. Donc j'ai 25 balles, hein. Mettre ça là. Alors, arbalète, qu'est-ce que ça fait? 10 de dégâts, donc plus que les archers. Cadence 0,6, donc ça tire par contre plus lentement, mais très légèrement. Plus de pénétration, peut-être pour les armures, du coup. Portée 18, donc c'est la même. Et par contre, ça touche les ennemis que au sol. Ok. On va mettre une arbalète là, je pense. Pour bien saucer tout le monde dès le début, là. Ok. Et ici, j'ai plus d'argent. Bon bah c'est parti alors. C'est parti alors. Ici on va mettre quoi? Ah je sais pas. D'ailleurs ça sert à quoi ça? Ah c'est pour ralentir. Tiens, je réfléchis pendant ce temps. Qu'est-ce qu'on met ici? Parce que, ah j'ai pas regardé le gel. Ah ça fait moins de dégâts. Gel 60%. Ok. Donc ça ralentit les ennemis, j'imagine. Pendant 6 secondes. Ok. Ok. Parce que si on part dans l'idée de faire un serpentin, je pense que le gel, il faudrait qu'il soit plutôt là. Pour être bien au milieu. Donc ici, il faudrait autre chose. Par exemple, ça. Par exemple. Vous voyez? Est-ce que vous arrivez à me suivre, le chat? Vous êtes très calme, j'ai peur. J'ai peur. On remet un rythme normal. Ouais. Bon ça va, avec une seule tour je crois qu'on s'en sortait à peu près. Hein. Ça a amélioré, ça coûte... Ah ça coûte 13 du coup, ok. Ah, ok. Salut Caro. Qu'est-ce qu'on en pense du jeu? Moi je le trouve mignon en vrai. Je le trouve mignon le jeu. Je pense pas construire plus là, ça sert à... je pense que ça sert à rien. Et après... Non c'est bon. Attends, mais la vague elle est encore grande là? Parce que du coup, on aurait sûrement envie de mettre ça là. Pour allonger leur chemin. Voilà. Et les forcer à repasser ici pour cette arbalète là. Et du fait là-haut, qu'est-ce qu'on met? Sinon on met rien là-haut en vrai. Parce que ça va pas taper, ça va taper que ces deux-là. Donc en vrai, là-haut, j'ai pas envie de mettre quelque chose. En vrai. Alors que là. Là, on met du gel. Ouais, ok. Bon, le gel c'est pour après, hein. Ça va pas trop servir là tout de suite. Hein. Vas-y, remets là. Eh, la vague est longue. Ah, c'est ça son armure, d'accord. Ah oui, il a de l'armure en fait, ok. Ok. Voilà, 10. Fini? C'est fini, ok. Là c'est quoi après? Humanoïde. Alors le truc c'est que les volants... Je sais pas si on aura un tuto, mais je sais pas si les volants vont suivre le même chemin ou si genre ils vont voler vraiment à travers la map. Dans tous les cas, il nous faut des archers. Donc je pense que dans le doute, on va mettre un archer ici. Quand on pourra. C'est-à-dire pas tout de suite. C'est-à-dire pas tout de suite. Mais très bientôt. Mais il court vite lui là, c'est quoi ça? Ah, c'est les monstres du début? J'ai pas l'impression qu'il courait aussi vite. Ok. Donc là on est bon. C'est pas mal. J'ai l'impression que les arbalètes sont tellement lentes en vrai. Après ouais, il y a lui qui ralentit là. Et eux qui peuvent continuer à canarder pendant ce temps. J'ai l'impression que ça va être chaud là, non? Je vais reconstruire une tour là, je pense. Et une là. Vite. Ok. Nice. Je pense qu'on est bon, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Pour cette vague. Peut-être garder ma thune. Merde! Non, c'est bon! Ok. Pas mal, mais j'ai pas de thune quoi.
La prochaine vague contient des créatures volantes que vous ne pouvez pas dévier. Seuls les archers peuvent les toucher. Ouais, il est revenu sur le chemin, il est sympa quand même. Je pensais que comme il avait commencé à quitter la case ici, il allait partir. Mais du coup, sable plus gel, ça doit être hyper vénère. Du coup, ouais, là, faudra mettre des grosses unités, quoi. Ok. Volant, armure, ninja, volant, armure. Ok. Bon, voyons ce qui se passe avec les volants. Je vais ralentir le temps pour voir. Ah, il passe tout droit, ouais, c'est horrible. Ah ouais. Ok, only one shot quand même. Mais c'est horrible. Donc ouais, donc il y a un moment en fait où... Si tu fais pas gaffe à ça, ah, c'est marrant, les jeux d'ombre, waouh. Ça c'est un petit détail, mais c'est bien foutu en vrai. Vous voyez les jeux d'ombre par terre, quand je décale ma souris, parce que ma souris fait de la lumière. Ça j'aime bien ça. Petit détail que j'aime bien. Est-ce que mon archer va être suffisant là? Parce que je regarde mes jeux de lumière, mais en fait ça passe ou pas là? Au pire on l'améliore lui. Hein. De toute façon il couvre tellement de terrain que clairement il faut l'améliorer. Hein. Bien joué mec. Mais non 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 vas-y. Bah voilà. Ok. Je pense que pour l'instant on va vraiment mettre quelqu'un dans chaque tour. Enfin celle-là encore une fois il n'y a pas trop besoin pour l'instant. À la fin oui quand on aura mis une tour là. Et après, on s'occupera d'améliorer les tours qu'on a déjà, je pense. Est-ce qu'on a encore des gens qui arrivent derrière? Ou est-ce que c'est les deux derniers? Ça a l'air d'être les deux derniers. Hein. Okay. Pour l'instant, ce que je vois, j'aime bien, moi. Hein. Salut, David. Les chevaliers possèdent une armure. Oui, ça, on l'avait déjà vu, du coup. Les arbalètes ont un bon taux de pénétration qui leur permet d'être plus efficaces que les archers contre l'armure. Voilà. Donc c'est ça, où tout à l'heure, on voyait pénétration 30%. Donc ça veut dire que 30% des 6 de dégâts... passe dans l'armure alors que ça c'est 70 des 10 si je comprends bien. Ok, donc important d'avoir des arbalètes et des archers quoi. J'ai pas de thunes là dans celle là c'est des armures, donc là j'ai deux arbalètes. Peut-être que ça va être important d'améliorer celle-ci sur cette vague là, mais après c'est des ninjas. Ok. Ah mais il y a quand même des volants. Ah oui d'accord, oui ok, bah oui. Par contre c'est pas la même couleur là. Ah oui c'est le mob évolué en fait. Ça va passer ça? Oh le ralenti. Ça passe ça non? Oh. Ah merde il y en a encore là. Ok. Merde, on est à 12. Vas-y, améliore ça. J'avais dit que j'améliorerais ça en premier, mais j'ai... j'ai paniqué. Je laisse au ralenti pour l'instant. Hein. Voilà, on améliore ça. Comme ça, ça va tirer plus souvent ici. Je pense que ça va être important d'améliorer à fond celle-là. Hein. Je pense que c'est la première qu'on va pousser à fond. Hein. Parce que là, en vrai, on a une bonne ligne de défense. Peut-être qu'il faudra rajouter un archer ici pour les aider eux. Si là ça a l'air de passer, je pense que je vais plutôt aller mettre un archer parce qu'après on a des volants je crois. Hein. Ah c'est des ninjas après. Est-ce qu'on va gagner de l'argent là? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne après. Bon, on se défend bien en vrai, ça va. Voilà, 13. Alors 13 balles c'est soit une amélioration de tour, les ninjas sont capables d'esquiver un tir sur deux. En plus de ralentir les monstres, les tours gel peuvent bloquer certaines des capacités de créatures comme les ninjas. Ah. Ok. Donc ouais, ma tour là, elle est giga importante. La limite, faut l'améliorer elle en fait. Hein. Parce que là, ça va être full ninja. Oui, et à la revente, le prix augmente. C'est ça que je voulais vérifier. Là c'était 6 à la revente avant d'améliorer au niveau 2. Maintenant c'est 11 pour revendre le bâtiment complet. Ok. Et après c'est des volants donc il faudra absolument mettre un archer ici. Hein. Ok, vas-y, j'aime bien mettre au ralenti au début pour bien comprendre. Bien voir tout ce qu'ils sont très nombreux. Hein. Donc ouais, là ils ont bien mis un mob devant qui va tank en premier les dégâts pour tout le reste. Et donc si t'as pas un bon...
une arbalète niveau 2 ici, je pense que ça cafouille un peu peut-être, au début en tout cas. Ouais, et puis il reste vraiment locké sur l'ennemi qu'il a attaqué. Hein. Il switch pas de cible pour taper le premier devant. Vous voyez, il reste sur l'ennemi qu'il a attaqué. Il le finit avant de passer à la cible suivante. C'est important à comprendre ça aussi. On a 3 de thunes. J'aimerais bien améliorer. Bah non, lui, on a déjà amélioré en fait. Donc tout va bien. Les archers font du taf ici, c'est bien. Après, comme ils sont corrompus, bah on gagne pas d'argent. C'est ça le ninja? Totalement ça le ninja. Alors, est-ce que le ninja esquive le gel? J'imagine que oui. Ah oui, ouais, il esquive. Ah, il s'est pris le gel. Bah dommage, mec, fallait être meilleur. Dommage en fait, hein. Ouais, là il a esquivé, vous voyez. Ok. J'ai 5 balles. Qu'est-ce que je fais avec mes 5 balles? Rien. Faut que j'économise pour un archer ici. Faut que j'économise pour un archer. Petite roulade, ouais. Petite roulade de combat, là. Et le truc, c'est que comme tes unités, des fois, elles sont focus sur un ennemi, bah en fait, les autres peuvent avancer pendant ce temps. Et j'ai l'impression que le gel est bien foutu, c'est que s'ils ont gelé un ennemi, ils vont forcément attaquer un ennemi qui n'est pas gelé, en fait. Ah, les ninjas donnent 2 pièces, par contre. Intéressant. Ouais, il faut un archer ici. Et si on peut l'améliorer, en vrai, on y va. Hein. Ah, les ninjas donnent 2 pièces, hein, ouais. Totalement. Après, est-ce que c'était vraiment un archer qu'il fallait ici? Je pense que là, on va remettre du gel. Ou alors là. Parce que lui, il peut pas aller là. Donc ouais, peut-être là du gel, en vrai. Ok. Je pense qu'on va mettre ça ici. Quoique, non. Ouais, c'est un peu con de remettre une tour là. Autant économiser pour mettre quelque chose ici. Donc là, c'est des volants. Hein. Ouais. Ok. Là, il va falloir que j'améliore ça. Y'a pas le choix. Vas-y, mets en vitesse max. Enfin, vitesse normale. Vitesse normale. Merci. Mais non, mais... Là. Hop. Ouais, bah j'ai bien fait. Hein. Ah, mais ils sont déjà niveau max, là. Ok. Non, non, non. Oh merde, là-haut, ça part. En vrai, je me demande s'il faudrait pas un archer, là. Hein. En vrai, parce que c'était juste, là. Hein. Je remets un archer. Je mets du gel là. J'ai dépensé sans compter. Je remets une tour là-haut. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Ça part, hein, ça part. Voilà. Hop, plus de gel. Je crois qu'on est bien là. Ok. Là c'est quoi? Armure. Ça part. Bon là c'est le festival. Hein. Festival. Oh la belle armure devant là. Ok, oh, pff, combien? Ça passe ça? Oui, non, c'est des petits, c'est des petits. Améliore ça? Pour voir. Ok. Oh le bazar. Non, mais ça passe jamais. Hein. Il passe jamais. Hein. Y a aucun monde où il passe là. Hein. Niveau 10 là-bas. Bon, lui, ça va plus servir à grand chose malheureusement. Eux, ils sont déjà niveau 3. Lui, il est niveau 2? Oui. Ok, les archers s'occupent bien là-bas. Je serais assez chaud pour remettre une arbalète là-bas en haut. Voilà, parce que de toute façon ils seront ralentis. Peut-être améliorer ça encore. Nickel. Je crois qu'on est bien. Hein. Réaméliorer ça. Huile. Hop. C'est lui qu'on va améliorer hein. Avant. Il tape tout le monde, il y a encore des ennemis au début donc ça va être important. Voilà. Lui. Oh là, y'a rien qui passe là. Là ça passe pas là, rien ne passera là. Vous ne passerez. Ouais, ça va vite là. Max. Ça court hein. Niveau 3, niveau 3. Oh là, ouais, ça c'est la dernière wave. Ok. Faut que ça passe parce que là j'ai pas le temps de mettre des choses là-haut. Hein. Non, j'ai pas le temps. J'aurais pas l'argent pour mettre. Ok. Eh, n'empêche que, en étant vraiment full opti, que tout est à fond là.
Eh, il y a une belle percée quand même là. Il y a une belle percée quand même hein. Yes! Ah voilà. Facile. Facile le jeu. Le spam. Facile. Après on est en difficulté artisan, ce qui j'imagine est le mode moyen. Les insectoïdes ne rapportent rien. Les insectoïdes ne rapportent rien, testez les fléchettes. Comment ça? Comment ça? Les insectoïdes ne rapportent rien. Attends quoi? Voilà un dolmen. Source de magie ancienne. Construisez une muraille et sa tour bénéficiera d'un bonus de dégâts double. Mais pourquoi il y a un autre portail là? Inactif, inactif, inactif. Ah! Hein? Ah! Hein? Hein? Donc à la vague 4, il y aura des monstres là et là? Oh! J'aime bien ça. Enfin, ça présage du coup que plus tard dans le jeu, t'auras plusieurs portails à gérer en même temps quoi. Pas mal. Fléchette niveau 1. Ça, je comprends pas. Portée 18, dégâts 4. C'est moins bien qu'un archer. On peut revendre. Ah mais c'est un nouveau bâtiment en fait. Ah oui mais cadence 1 par seconde. Attends mais 1 par seconde, c'est moins bien du coup. Ah oui c'est moins bien, ça tire hyper lentement. Et ça tape que au sol. Insectoïde. C'est pas ce que c'est les insectoïdes. On verra. Donc là actuellement ça va passer là, faire le tour comme ça, blablabla, ok. Comment on va vouloir changer le chemin des ennemis en fait? C'est ça la vraie question. On va vouloir... J'ai 30 balles. À terme on va vouloir mettre des tours là. Bah là et là en fait. Pour qu'ils soient obligés de faire tout le tour. Ça c'est l'idée. C'est l'idée de base. Admettons là et là. Vous voyez ils sont obligés de faire tout le tour maintenant. Si on veut encore rallonger leur chemin, on pourrait mettre une tour là. Dans l'idée. Pour l'instant on fait juste les plans. Ensuite pour faire des dégâts il faudrait qu'on se mette là. Il faudrait qu'on mette une tour quoi qu'il arrive ici. Et pour rallonger le chemin... En fait faudrait mettre... Eh je peux pas construire là dessus. Eh oui. Je peux pas construire là dessus. Donc tout ce qu'on pourrait faire c'est ça en fait. Mettre là. Comme ça on pourrait mettre des tours ici. Ah voilà comme ça. C'est ça qu'il faudra faire en fait. Comme ça. C'est ça qu'il faudra faire. Et donc là on aura le droit à deux tours. Ok. Dans l'idée je pense que c'est ça le chemin le plus long qu'on peut faire. Je pense. Parce que ça en plus ça les soigne. Donc en fait s'ils ne passent pas là-dedans c'est mieux pour nous. Ok. On peut faire... Clic molette? Non, on peut pas clic molette pour supprimer. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? Il y a ça qui fait double dégâts. Et en fait, il faudrait pouvoir construire et là-dessus et ici. Ou alors juste laisser ces deux blocs-là. C'est pas trop grave. Juste pour qu'ils fassent tout le tour. Parce que là, on a un bâtiment aussi qui fait pas rien, quoi. Ok. Hop. Salut Magikarp, ça va? Un peu relou du jeu car en faisant des recherches Google, je pense que je cherche des démos et non le jeu démo. Hein? Oui, le jeu c'est Artisan TD. Artisan TD, le nom du jeu. Donc ici, comme c'est double dégâts, j'aurais envie de mettre la structure qui fait le plus de dégâts, mais c'est peut-être un bait pour les noobs comme moi. J'aurais envie de mettre une arbalète là-dessus pour faire un max de dégâts. Mais le problème des arbalètes, c'est que ça touche pas les volants. Mais là on voit pas sac à fric, humanoïde, ninja, armure. Y a pas de volant. Après les insectoïdes on sait pas ce que c'est. Faut quand même mettre une tour dessus. Sinon ça marche moins bien. Mais c'est que ça fait peur en fait hein. C'est que ça tire pas très loin quoi. Ok. Bon je reste dans l'idée que c'est une bonne idée. Archer sur le double dégâts.
En vrai, c'était sûrement la meilleure idée, oui. Parce que là, si, là 13, ouais, ça me rembourse pas. Hein. Ça, je trouve ça dommage, par contre, que si tu construis quelque chose, tu sois pas remboursé à 100% si tu l'as construit sur ce tour. Parce que là, en tout, j'ai dépensé 18 pour cette tour. Et là, je récupère que... Bah pourtant, si, c'est écrit 100%. Pourtant, si je fais ça, ça va... Ah non, ok, il y a la tour en dessous. Ok, autant pour moi, autant pour moi. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça fonctionne. Tu peux te rembourser vraiment et tester les choses du coup. Donc là, le problème, c'est que j'aurais aimé, bien avant l'envie, bien sûr, j'ai oublié mes rêves et mes défis, j'aurais aimé pouvoir mettre quelque chose d'offensif là. Mais techniquement, on a ça ici. Qui n'est pas rien, mais qui est pas... Un... Bon, je vais tester comme ça en vrai. Hein. Après, il y a des sacs à fric, hein. Ça part. Ouais, puis on voit one shot du coup. Je vais préparer une tour d'archer là. Je suppose. Ah ouais, c'est long. Hein. Oh! Et mais c'est un par seconde, hein! Mais pourquoi il tire jamais? Non constructible, ça, ok. Bien envie de mettre du gel peut-être. Ah ouais, je mets gel là, c'est un peu nul en vrai. On met encore un archer là. On a ça ici, hein. Donc tranquille. On avait dit... Ici. Ah oui, ok. Ah oui, 28 balles! Là! Nice! Alors, je suis le roi du monde. Partir de là, on avait dit ici. Eh, mais en fait, le problème, c'est que lui, du coup, il devient nul. Parce que lui, il a un rayon, ouais, il pourra pas taper devant en fait. Attendez, hein, je réfléchis. Je réfléchis, c'est important. Parce que lui, c'est bien, là, il fait 22 dégâts, c'est très très bien. C'est juste qu'il tape pas tant de cases que ça en fait, il tape que 3 cases. Donc c'est bien et pas bien en même temps. Je pense qu'il faut mettre ça ici de toute façon pour rallonger au max le tour. J'ai 28 balles. Hein. En fait, le problème c'est où tu mets le gel en fait. Pour moi, c'est ça le problème que j'ai. C'est où est-ce que tu mets le gel? Et j'ai pas compris pourquoi la fléchette ici l'a tiré qu'une seule fois tout à l'heure. Pas compris. Fléchette niveau 1. Il y a un truc que je comprends pas avec les fléchettes, je crois. Je crois. Le truc, c'est que là, t'aurais envie de mettre quelque chose, mais je pense qu'il faut pas le faire tout de suite. Faut rallonger le chemin par là-bas. Déjà rien que ça. Déjà rien que ça, en vrai, c'est fou. Et... Si tu mets du gel... Là... Lui, il peut taper que en bas. C'est tellement problématique. C'est tellement problématique. Ah, puis j'ai plus d'argent en fait, hein. Non, c'est pas le bon move ce que je suis en train de faire. Je m'y prends trop tôt, je pense, pour aller là-bas. Pour m'étendre de ce côté-là, je m'y prends trop tôt. Je pense que ici, il faut mettre. Là, on a déjà deux archers en vrai. Après, on pourrait améliorer celui qui tape le plus. Donc lui. En soi, on pourrait l'améliorer. Et là, il me reste 14 balles. Là, on pourrait remettre une tour plus tard. Parce que là, on est vague 2. Hein. On a encore le temps, mais bon. Je sens que d'un coup, ça va être bizarre. Sinon, on remet une arbalète là. Hein. Je pense qu'il faudra mettre du gel là au milieu. Ouais. Il y a des ninjas ou pas? Ok. Il y aura des ninjas après. Donc après, il faudra du gel. Mettre ça ici, je pense. Vas-y. Oh putain, il y a des volants. Oh, il y a des volants. Bah heureusement que j'ai up lui. Hein. Ouais, donc en fait ça aurait dû être un volant. En fait.
Et une fois que tu sais comment ça marche, tu... Une fois que tu sais quelle vague il y a, quel type d'ennemi il y a, tu fais ça mieux, hein, de toute façon. Vous voyez, genre là, lui, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je comprends pas. Pourquoi il fait rien? Ah si, ok, ok. Ok, tout va bien. J'ai menti, il fait pas rien. J'ai 12 balles. Alors, on a dit qu'il fallait commencer à avoir du gel parce que les ninjas arrivent, là. Si les ninjas arrivent... Dans mon idée, faut mettre ça là, il faut mettre du gel ici, hein. Et ça fait peur les volants là. C'est quoi le principe du jeu? C'est un tower defense. Il y a des ennemis qui pop des portails violets. Et il faut placer des tours de mon côté avec des unités dedans pour contrer les vagues ennemies avant qu'elles arrivent dans le portail qui est ici. Parce que si elles arrivent ici, j'imagine que je perds des points de vie. Je dis j'imagine parce que ça n'est pas arrivé encore. Parce que je suis un peu fort en fait. Je suis un peu une machine. Ça part. Je ralentis le temps vite fait pour voir. Peut-être qu'un archer niveau 3 là, ce serait pas de refus en vrai. Hein. Ne serait-ce que pour les volants. Et peut-être que mettre une tour ici d'archer. C'est peut-être ça en vrai la solution. Ouais, je pense que c'est plutôt ça la solution, ouais. Même si c'est pas utile tout de suite, ça le sera très très vite. Ok. Bon, après, il y a Mass Ninja. Hein. Oh, les mauvaises ambiances. Oh, les mauvaises ambiances. Non, ça va le faire. Archer ici. Les ninjas sont full build. Hein. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Oh. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Attends, ralentis. Hop. Ah, dis-moi que tu le fais. Il le fait pas. Il le fait pas, mais il va pouvoir le rattraper ici. Tire-le, lui, là. Oh, mesdames et messieurs, ça va être si dur. Parce qu'il va falloir lui mettre deux flèches. La première, il va l'esquiver. Ok, il a rien esquivé, en fait. Il est nul. Ok, esquive. Clac. Esquive. Clac. Il rentre. Et j'ai perdu un point de vie. Ok. La prochaine vague est une vague d'insectoïdes. Je m'attendais à avoir du Shiny Hunting ce soir. Je ne fais jamais de Shiny Hunting le samedi soir, Kyumtina. Voilà, ça fait toujours plaisir en tout cas d'avoir ce genre de commentaires hein, dans le chat. N'hésitez pas. Hein. La prochaine vague est une vague d'insectoïdes. Ils peuvent escalader un... Les murailles, les éboulis, désactiver les tours et les champs qu'ils franchissent. Ils ne peuvent pas sortir du plateau. La tour fléchette ne peut pas être désactivée. Ah ! Ah ! Donc il aurait fallu... Techniquement, là, une fléchette aussi, j'imagine, parce qu'ils vont aller de là à là. Ça paraît logique. C'est la merde, non ? Je crois que c'est la merde. Bah, let's go, hein. Je ralentis le temps pour voir si je peux réagir vite fait. Que les fléchettes vont pas être désactivées. Ok, on les one-shot par contre. Moi, je veux bien mettre ça là, hein, mais... Ça va me coûter 15 de... Mettre ça là. Mais à la phase 4, il y avait des choses ici. Bizarre. Et donc ça désactive... C'est pas désactivé par les insectoïdes. Ouais, il continue de taper en fait. Ah oui, en fait, les autres tours tapent quand même les insectoïdes, mais juste les fléchettes ne sont pas désactivées par les insectoïdes. Ok. Et les insectoïdes ne donnent pas de thunes. C'est bon, j'ai tout emmagasiné. C'est bon. C'est gratuit en fait, pardon ? Oh, le nombre. C'est loose, hein? Après, j'ai l'impression qu'ils reviennent sur le chemin. Oh, il y en a des bleus au bout là qui prennent. Oh là là, ils prennent moins de. Oh là 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 là. Ok. Bon, finalement, ça va quand même.
Je pense que c'était hautement inutile de la mettre maintenant, hein, mais bon, écoutez, au moins c'est fait, quoi. Vous découvrez au fur et à mesure, Brett. Vous découvrez au fur et à mesure. Alors, j'ai 3 balles. Et là, c'est armure, inactif. Ah, il y aura re des insectoïdes en phase 6. Donc faudra améliorer ça entre les deux. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez d'économie pour faire ce qu'on veut faire. Alors après, je me suis peut-être trop étendu dès le début aussi, hein. C'est possible. Qu'est-ce qu'on en pense du jeu pour l'instant? Moi, je passe un excellent moment, en tout cas. J'aime bien ce genre de jeu, moi. C'est terrible. Attends, où est-ce que je mets mon argent? Est-ce que j'améliore, genre, les archers? Ceux-là. Ou est-ce que j'améliore ça? Peut-être les archers, en vrai. Hein. Améliorons les archers pour l'instant. Ah, j'ai eu plein de thunes! Oh! Attends, non, fais pas le con, ça. Je suis plein de thunes. Ok, avance. C'est bon. Ça, on améliore. Ça aidera à tuer les insectoïdes. Là, il y a du gel, je pense qu'il faut réaméliorer ça en vrai. Ouais, c'est un tower defense, ouais. J'améliore ça. Parce que je pense que ça passe jamais là, le temps qu'il fasse tout le tour. Je pense qu'on est bien. 24 balles. Ralenti. Attends. Un petit niveau 3 là. Que ça touche plus de cases que celui-ci. Petit niveau 3 ici. Petit niveau 3 là. Petit niveau 3 là plutôt. Au moins ça touche la case de départ. Avec les volants potentiellement qui peuvent arriver. Ok. On peut faire space ou pas? Ah, on peut faire space pour inverser. Cool. Ça y est, je suis investi, ça y est. Pour accélérer ou ralentir autant. Mais c'est chaud là, non? Au secours. Oh, ça... Mais pourquoi il dort? Pourquoi il dort? Il y a une mécanique avec ça? C'est fini, hein. Mes archers se battent comme ils peuvent, mais je vais prendre tellement de dégâts. J'ai mal géré mon début de fight, du coup. Qu'est-ce qui va pas? À partout, je veux dire. Hein. À partout. Qu'est-ce qui manquait, finalement? On va la refaire. Hein. On va tout refaire, hein, je vous le dis. Hein. Ah oui, ça aussi entre les deux derniers modes que t'as fait. Ok. Non, j'ai lancé! Bon, c'est pas grave. J'ai lancé ou j'ai pas lancé? Ah, j'ai pas lancé. Ok. Donc les insectoïdes, ça part. Mais là, on a un truc niveau 3, donc tout va bien. Niveau 3, niveau 2. Et là, ça démarre, ok. Lui, il est toujours... Ah, ouais, il est toujours niveau 1, lui. Là, on gagne 0 de thunes, du coup. Je pense que là, il aurait fallu du... C'est-à-dire du gel, mais en fait, tu peux pas les taper de... Même si tu mets du gel là, à part ces deux-là, il n'y a aucune tour qui va pouvoir les taper là, en fait. Donc c'est dommage. Peut-être quelque chose que je comprends pas, je sais pas. Attends, ralenti. Qu'est-ce qu'on améliore ici? Ça. Dommage que ça améliore pas la portée. L'amélioration, ça sera eux, je pense. Ou re ça. Mais je voulais mettre du gel ici à la base, je crois. Ah oui, j'avais mis un archer parce que les volants passent direct. Améliore ça. Et je vais une tour ici. Après. Je peux pas le faire maintenant. Très bien. Armure, et après ce sera des volants. Il faut mettre un archer là. Inconnu. Comment ça, inconnu? Comment ça? C'est... Surprise? Mystère? Allez-y là! Ouais. On en parle de l'armure de ce bazar là?
Mais on fait zéro dégâts. Par contre, ça tire vite. Hein. Ça rafale. Mettre une tour là. Pour allonger le chemin des ennemis et éviter qu'ils passent dans l'endroit qui les soigne. Et j'avais dit, prochaine chose à faire, c'est mettre un archer ici pour qu'il puisse protéger ça des volants. Parce que la vague d'après, on a des volants. Mais on lui fait zéro dégâts, lui, là. C'est qui, cet affreux, là? Ah, à un moment, il est fatigué, il arrête de courir. Ok. Ah, les insectes arrivent. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Attendez, je réfléchis. Peut-être faudrait mettre du ralentissement là. J'ai l'impression que c'est pourri mon plan de jeu là. Et après, faudrait mettre des tours là-haut. Comme ça. Et mettre, je sais pas, ça dedans. En plus de dégâts. Oh, c'est moins clair hein. C'est la merde là. J'ai l'impression qu'on a fait n'importe quoi. Ok. Exifé lui! Ok, mais il est mort. Je sais pas d'où il venait, mais. Eh oh, oh, oh. Mais c'est terrible, hein, ce qui se passe là. Ce que je vois là, c'est horrible. Hein. Quoi là? On va t'améliorer, toi. Peut-être ça mon erreur finalement, c'est de pas avoir amélioré ça assez tôt. Comment le jeu il est dur d'un coup là? 40 plus 20 de dégâts? Ah oui, non, ça passera à plus 20, oui, d'accord. Et est-ce qu'on va réussir à avoir l'argent? Là, ça a pas du tout été. Peut-être c'est mon chemin de base qui est pas bon en vrai. Hein. Bon, je repense à mon chemin de base. Allez, faut le tuer là-bas. Faut le tuer, s'il vous plaît, merci. Je pense qu'il me manque du gel. Peut-être que l'erreur, c'était de faire une arbalète ici. Hein. Je pense que des archers, c'était bien mieux. Je pense que déjà, rien que ça, ça change toute la game. Je pense que rien que ça, ça change toute la game. Ouais, j'aime bien les Tower Defense, c'est juste que c'est difficilement streamable, les Tower Defense. Mais j'adore ça. L'aspect stratégique, la planification. J'adore ça, donc forcément dans les Tower Defense, c'est trop bien quoi. Du sable sur la fin, tu peux pas poser de cases au sol. Les cases au sol sont prédéfinies. Tu peux pas. Ouais, c'est pas des choses que tu places. Hein. Toi, tu peux juste placer des tours et les choses qui sont sur les tours. Voilà, j'allais dire, caillassez-le quand même, à un moment donné. Non mais là, ça passe, là. Lui, il passe. Mais ça va, le sprint. Oh, 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 oh. Ouais, ouais, il me faut un archer, là, en fait. Hein. On recommence, non? Vas-y, on recommence. Qu'est-ce que vous en dites? On recommence tout de suite. Si je fais échappe, vague 5... Vas-y, je recommence. J'ai envie de recommencer. J'ai envie de faire propre. Avant d'aller voir le niveau suivant. Donc, à la base, on a 30 balles. Le problème que j'ai eu au début, c'est que j'ai trop voulu m'étaler tout de suite, je pense. Je pense que ça a été le problème. Donc là, il faut de toute façon mettre une tour ici, ça c'est évident. Et on va mettre des archers dessus à la place. Mais peut-être qu'en vrai... Comme je disais au début, hein, peut-être que c'est un bait et qu'en fait, il faut mettre de la glace, en fait. Hein. Parce que mine de rien... Le fait de pouvoir geler les ennemis qui sont là, là ou là, ça permet à tes unités à côté de faire un max de dégâts parce que les ennemis vont être très très lents. Et comme la glace fait que 2 de dégâts, bah t'as pas très envie quoi. On va tester avec des archers pour voir. On va tester avec des archers. Et je me demande en fait limite si au premier round... Juste les mettre niveau 2, c'est pas suffisant en fait. Parce que là, il me reste que 15 balles. Donc en soi, c'est soit je refais une tour d'archer. Soit j'améliore ça quoi. Bon, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre pour l'instant, c'est si je les fais passer par là, en fait, pendant tout ce temps là, je peux pas les taper en fait. Parce que je peux pas mettre de tour. Vous voyez ce que je veux dire? Si je mets une tour là, et qui passe par là, je peux plus mettre de tour ici. Parce que sinon ça bloque leur chemin et le jeu me l'empêche. Le jeu m'en empêche.
Et je pense même que mettre une tour là, c'était une mauvaise idée en soi. Je me demande s'il faut pas mettre une tour là. Là, là, en fait. Avec tous les niveaux en mètres, et je te confirme que j'ai réussi sur ce niveau en mettant les archers sur le bonus. Ok, merci Robgan. Merci. Parce que, en fait, ce qui m'embête dans le fait de mettre une tour là, c'est que tu te sens obligé d'en mettre une là, et en fait, elle est pas très efficace, cette tour. Alors que, si tu mets ça ici, là, tu peux mettre des fléchettes, en fait. Tu peux mettre trois fléchettes pour les insectoïdes. Et si, genre là, tu mets du gel, bah d'un coup, tout prend son sens. Parce que pendant tout le temps où les ennemis sont là, enfin, en tout cas, on peut pas voir. Oh, ça y est! Ça y est, je suis dedans! Oui, donc clic molette permet d'améliorer. Ok, clic molette, ça permet d'améliorer. D'accord. Donc là, j'ai récupéré tout mon argent, hein. Et donc cette tour là, on en veut pas en fait. Bon, pour moi il y en a forcément une ici, ça c'est évident. Maintenant la question c'est est-ce que dessus on remet un archer? Je pense que oui, pour les volants qui sont là au début. Je pense que oui en vrai. Je pense que c'est ça le meilleur départ possible. Je pense. Ça part! Et comment on s'étend du coup? Je pense qu'il faut les faire passer par là, ne serait-ce que pour aller chercher les fléchettes. Mais peut-être que ouais, le chemin que j'ai fait tout à l'heure, à mon avis, il était pas bon. Il était pas bon parce que là, en laissant la ligne droite ici, ça te permet de mettre des tourelles de tous les côtés. Alors que tout à l'heure, c'était très bizarre. Il y a une fois sur deux où mes tourelles pouvaient pas toucher les ennemis parce qu'ils étaient trop loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc certes, les ennemis vont être un peu plus rapides parce qu'ils auront moins de cases à parcourir, mais tu pourras mettre plus de tours qui toucheront plus d'ennemis en même temps. Ouais. Merde, faut que je passe des trucs moi. Faut que je passe des choses là. Ah, c'est lui là qui donne plein de thunes. Du coup, je fais quand même ça. Voilà, comme ça lui va faire tout le tour là. Et là, il faudrait mettre du gel, selon moi. Selon moi, il faudrait mettre du gel ici. Bah, je reste sur les démos le temps que les démos durent, en gros, hein, tout simplement. Et oui, pourquoi là ça tire qu'une seule fois? Je comprends pas, c'est un bug ça, non? Ça peut pas être si long. Bah, ça me paraît trop bizarre. Donc là du gel, comme ça gèle là, là. Je trouve ça bizarre. Et ces trois là. Voilà. Et à la limite, tu vois, si tu remets une tour là, bah, du coup tu peux faire full DPS. Je pense que c'est l'idée, hein. Je pense vraiment que c'est l'idée. Donc ça c'est inactif, et là on aura des humanoïdes. Et j'ai 21 balles. Donc là qu'on a mis ça ici, on aimerait renta, quand même. On aimerait rentabiliser le fait qu'on ait utilisé ça ici. Donc dans l'idée, les insectoïdes, j'ai l'impression qu'ils passaient que sur ces deux cases là. Hein. Eh bien j'ai de l'impression, donc je pense que si on met autre chose ici, ça passe. Et je vais avoir besoin d'arbalète hein, à un moment donné. Hein. Parce que là j'ai aucune arbalète. Hein. Donc je pense qu'il en faudra deux ici. Des arbalètes. Ok. Ça se passe bien. 4 de thunes. Le prochain objectif, c'est quoi là? Parce que eux, c'est pas tout de suite, on a le temps. Eux, après, ce sera des ninjas. Donc là, on a déjà du gel pour ça, c'est bien. Je pense qu'il faudra remettre une tour là. Tour là, sûrement pour mettre des arbalètes. Certainement. Ah oula. Oui là c'est mieux. Bon, ça l'arbalète pourra taper là aussi. Ouais c'est bien ça, c'est bien ça, j'aime bien ça. C'est bien ça. Salut Mylène. Ça j'aime bien. Oh je vais pas avoir assez. Il va me manquer un balle. Ah non le ninja c'est deux. 13 balles.
Ouais, c'est bien ça. Du coup, limite, je me demande, ouais. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc là, on a re des ninjas. Et lui, il est inactif pour l'instant. Donc là, il va falloir absolument ici mettre des fléchettes. Avant la prochaine phase. Absolument. Fléchettes, c'est 15. Hein. Je pense que c'est mieux là. Ça semble bien plus logique en tout cas ce qu'on fait. Et vous voyez les fléchettes, pourquoi c'est si long? C'est trop bizarre. Je suis sûr qu'il y a... Je suis sûr que ça bug en vrai. Pour moi ça c'est fait. Je pense que ça passe hein. Quoique lui il est full vie hein. Lui il est full vie. Il va falloir s'inquiéter. Merci. Ça dégage. Ok. Ok. J'ai 11 balles. 11 balles. Qu'est-ce que je fais avec 11 balles? Je pense qu'il faut blinder ce côté-là hein. Mais le truc, c'est que si je remets du gel... Non mais sinon, j'améliore ici. Hein. Attends. Attends. Je pense qu'on est bon. Parce qu'il me semble que sur cette vague-là, il y a très peu d'ennemis qui viennent par là. C'est vraiment que des insectoïdes. Donc peut-être qu'on garde l'argent. Et dès que j'aurai 15 balles, j'améliore celle-là. Parce qu'elle tape plus loin sur la ligne ici. Ça me paraît bien. Ça me paraît être un plan exceptionnel. Parce que les insectoïdes donnent pas d'argent en plus. Voilà, comme ça on améliore ça. Vous voyez les fléchettes tirent pas. Comment ça... Pourquoi les fléchettes ne tirent pas? Je comprends pas. Beaucoup de mal à comprendre. Alors heureusement ils ont très peu de points de vie les insectoïdes hein, mais. Quelque chose que je comprends pas je crois. Bon, ça bosse, en tout cas, ça bosse. Prochaine chose, ce sera améliorer ça, je pense. Ça paraît vraiment trop important. Je suis à 1 balle de pouvoir le faire. C'est quand même dommage. Après, 10 balles, c'est potentiellement améliorer ça au niveau 3. Mais elle est trop mal placée, cette tour, en vrai. Je l'aime pas, cette tour. Elle est mal placée. Ou alors il aurait fallu mettre du gel là. Et du fait t'as pas le gel pour tout ce truc là quoi, c'est un peu dommage. Après t'aurais pu mettre le gel là. En vrai c'est sûrement ça la meilleure strat. Et ça, ça touche que le sol, ouais. Ok. Donc 10 balles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de 10 balles? Là c'est quoi? Armure et rien. Armure et rien. Je pourrais réaméliorer améliorer celle-là en vrai. Ça et le gel si c'est possible. Améliorer le gel en premier. Ok. Les archers s'en sortent. En vrai je suis assez chaud pour améliorer ça direct. Ok, j'ai plein d'argent. On va améliorer ça. Et juste après on améliore ça. Pour renforcer au fur et à mesure en fait. Et je suis assez chaud pour renforcer lui aussi. Parce qu'après c'est quoi là? Inactif. Armure. Ok. Attends, j'ai eu plein d'argent. Toi, on t'améliore. 1 balle et on t'améliore toi. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. C'est nickel. Niveau 3, ici niveau 2, petit niveau 3 là, ce serait pas mal. Hein. Petit niveau 3, ce serait pas mal. Je pense pas que remettre du gel ici, ça fasse du sens parce que regardez, on arrive déjà à geler tout le monde en vrai. Donc je pense pas que ce soit intéressant de remettre du gel ici, il faudra en mettre là du gel. Voilà, petit niveau 3 là. Ça touche trop de choses, faut le faire. Ok.
Mais eux, ils ont trop de points de vie. Hein. C'est abusé, regardez ça. Non, mais ils vont réussir à rentrer. Hein. Ils vont réussir à rentrer, les deux. Hein. Je manque d'arbalète. Ah ouais, c'est mort. Hein. C'est mort. Donc ça veut dire qu'à partir de là, il faudrait déjà avoir réussi à mettre une tour là. Après, j'ai vraiment amélioré à fond ici. Hein. Ah, mais ça tue. Oh, ça tue. Oh, ça tue. Ça tue, let's go. On prend pas de dégâts. S'il te plaît, s'il te plaît. Meurs, meurs. Mort. Mort. Insectoïde. Ninja. J'ai 4 balles. Ça part, mais doucement, s'il te plaît. Ça part, mais doucement. Et pitié, tirez les fléchettes. Non, mais y'a un problème avec les fléchettes, je vous jure. C'est... Pourquoi ils tirent plus? Pourquoi ils tirent plus? C'est un niveau 2? En fait, j'ai l'impression que quand je suis au ralenti, ça ne tire pas en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. J'ai vraiment l'impression que quand je suis au ralenti, mes fléchettes ne tirent pas. Ou je sais pas, c'est dans ma tête, j'en sais rien. Je deviens fou. Attends, ralenti. Là, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On pourrait vouloir remettre du DPS là-haut. On pourrait vouloir remettre du DPS là-haut. Encore. Mais quoi comme DPS? Non, je pense qu'il faut commencer à aller là-bas. Hein. Faut commencer à aller taquiner là-bas au bout. Hein. Peut-être mettre ça. Non. Ici, on va remettre du gel. Non. Vous voyez, ça tire pas, ça tire pas. Ça tire pas quand on nous ralentit. Ça triche. C'est déjà amélioré à fond. Ça aussi, ouais, bah du coup je vais me faire défoncer à cause de ça. Qu'est-ce qu'on met à la fin? Non, ça va, ça tient. C'est juste qu'ils sont occupés, eux. Bon, ça va. Ok. Bon, là faut réfléchir là. Je pense qu'il faut absolument rallonger la fin. Pour rallonger la fin, on pourrait mettre juste une tour. Ah non, il faudrait mettre une tour là et une tour là. Ah, juste une ici, c'est suffisant pour leur faire faire tout le tour. J'ai 19 balles. Parce que dans ma tête, il faut forcément du gel là. Pour qu'on puisse geler les ennemis qui sont ici. Ça va geler sur les trois lignes là, plus ici. Ce qui est pas mal en vrai. Et dès que je peux, je rajoute... Je pourrais rajouter une tour là en fait. C'est quoi le but du jeu? Gagner. C'est... Il faut tuer tous les ennemis avant qu'ils arrivent dans le portail ici. Les ennemis sortent du portail violet et il faut qu'ils... En fait, ils vont vers le portail bleu. Et toi, il faut que tu construises des tours pour tuer les ennemis avant qu'ils arrivent au bout. Et sachant que quand tu construis des tours sur le chemin, ça dévie le chemin des ennemis, quoi. Ouais, mais je pense que c'est très clair quand tu regardes le jeu. Mais les insectoïdes, mais c'est terrible que les fléchettes ne tirent pas quand on est en ralenti. Donc là, j'avais dit, dès que je peux, je construis une tour là-bas. C'est l'idée. Comme ça on étend, voilà. Comme ça ils sont obligés de faire tout le tour, ils passent pas dans le soin. Ce qui pour moi est vraiment extrêmement important. On va construire des archers peut-être là. Non, des arbalètes. Ouais, faut clairement des arbalètes là-bas au bout. En plus comme les ennemis sont gelés... Ça permettrait d'aller les canarder. Et peut-être qu'il faut redu gel là. Non. Non, là il faut canarder sur la fin. Faut que ça déroule quoi. Et lui il est mort. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Faudrait améliorer lui, c'est sûr. Ouais, je sais qu'il faut que j'en mette encore une là, hein, mais. Ah ouais, mais ouais. Donc il aurait fallu. Bah non, le gel. On pourrait remettre du gel là en fait. Ouais, mais c'est pas très utile en vrai. Ah bah ouais, mais lui il touche quasiment rien. Oh, j'en remets là. Oh, je remets. Full arbalète là.
Ouais, lui il est trop important, ouais. Dès qu'on a 13 balles, on l'améliore. Please. Merci. Non, mais ils sont passés déjà, hein. Mais il a 30 points de vie, lui. C'est quoi ce mob? Mais ouais, bah c'est mort, deux là. Ah, c'est perdu, hein. Putain, on n'y arrive pas, hein. Ah, non, mais ouais, mais le deuxième va passer. Ah, quoique? Ah, quoique? Ou alors peut-être? Ou alors peut-être? Ouais! Bien joué! Oh la frame! Oh la frame! Eux là! Et là il refaut. Je pense qu'il refaut du ça là. Hein. Faut surtout que j'améliore ça. Surtout. C'était close, ouais, ouais, c'était chaud là. Mais je pourrais pas réaméliorer là. Dans ce round. Donc là on va subir et on va espérer que ça passe, mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Oh, le gel en vrai il est bien. Je me demande s'il aurait pas fallu du gel ici. Hein. Du gel là et là. Ouais, en vrai, à mon avis, c'est ça ici. Hein. Bon, j'ai fait une erreur. Je pense qu'il faut du gel ici. Et là, re une arbalète. Je suis convaincu que c'est ça. Par contre, j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être pu attendre que ça finisse. Parce que là, c'est la giga merde. Oh merde. Non mais c'est pour le suspense. C'est pour le suspense, vous inquiétez pas. Parce que là il est fatigué, mais le truc c'est qu'il va retaper un sprint. Non, 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 non. Ok, c'est bon. Non. Ok, j'ai cru que j'avais relancé. Donc là l'idée c'est de mettre du gel ici. Et de remettre une arbalète là. Voilà qu'il y a les insectoïdes. Ça va être la merde. Ok, go. Donc, re du gel là. Ok, mes petits soldats s'en sortent là. Ah, mais y a des. Oh non, 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 non. Il y en a partout. Attends, attends, non, mais je peux pas mettre à poil parce que sinon je. Ok. Attends, attends, qu'est-ce que je peux améliorer là? Oh, je suis dans une galère. Arbalète. Vite, vite, pitié. C'est perdu. Mais ils sont combien? Mais j'ai jamais amélioré ça. C'est loose. Mais c'est super chaud ce niveau. Oh, j'ai perdu là. Ouais, parce qu'il passe par cette tour là du coup. Il passe par la tour de mes archers. Mais c'est juste parce que j'ai pas amélioré les fléchettes là-bas. J'ai une tour niveau 2 et niveau 1. Mais l'idée est là. Hein. Ok. On va recommencer, je crois. Je crois on va recommencer. Hein. Ça repart. Ça repart. Je crois qu'il y a que 5 niveaux de ce que j'ai cru voir. Bon. Non mais il faut un archer là, c'est sûr. C'est sûr, il faut un archer. Il y a trop de volants qui passent de là à là et il faut que t'aies des gens hyper réactifs qui soient vraiment là tout de suite quoi. Après ça me paraît évident qu'il faut une tour là pour qu'il fasse tout le tour. Ça me paraît obligatoire. Et dessus tu mets forcément un archer. Pour qu'il puisse taper aussi les volants qui sont là. Ou alors, du gel, mais non. On va reprendre le même plan. Mais c'est vrai que j'aurais pu revenir juste quelques vagues en arrière, plutôt que de tout refaire. C'est vrai ça. Ça c'est une vraie info ça. Hop, on met ça ici. Donc là on va remettre du gel parce que c'était trop bien tout à l'heure. On fait ça toute la soirée. Mais il est que 21h20. Qu'est-ce que vous dites? Il n'est que 21h20, chat. Tout va bien. Pourquoi vous êtes stressé? T'inquiétez pas. Tout va bien se passer. Je suis un professionnel ou pas? J'aimerais bien améliorer lui. Merci. C'est quoi? Tiens, voilà.
Niveau 3 là. J'ai complètement craqué mon slip là-dessus. Hein. 11 balles. 11 balles. Parce que là, c'est humanoïde encore. On pourrait commencer à scale ça, on peut pas. Non mais là, je pense qu'il faut remettre une tour là. Parce que ça va pouvoir taper là. Donc en fait, ça reste early ça. Et dès qu'on peut, on met arbalète. Dès qu'on peut, on met arbalète. Ça part en fait. Faut que je pense à manger. Ah bah oui, il faut y aller là. Hein. Et bon appétit par avance. Ah voilà, je vais manquer d'arbalète là. Ok, c'est bon. C'est passé. Je suis à fond. Hein. J'espère que vous aussi, parce que moi, j'en peux plus là. Donc là, eux, c'est vague 4. Mais on va vouloir rajouter ça ici, de toute façon. Et mettre des fléchettes dessus. Les fléchettes, c'est loin. Hein. Tellement cher, les fléchettes. Donc là, c'est full ninja. Mais on a déjà ça. Mais est-ce qu'on va vouloir passer ça au niveau 2? Peut-être pas quand même, parce que ça, à la phase 4, on aura des insectes. Donc on voudra avoir construit la deuxième tour ici. T'aurais pas meilleur temps de faire direct ton chemin définitif, puis d'améliorer là où tu vois des lacunes? Non, parce que j'ai essayé ça la première fois et ça n'a pas marché, malheureusement. Malheureusement. Mais oui, là, j'ai complètement craqué en mettant niveau 3 direct ici. Hein. Complètement. Complètement. Donc là, on avait dit... Oui, là. Fléchette. Voilà. En fait, je me demande si ça devait pas être fléchette ici. Hein, en fait. Et ouais, en fait, je me demande si c'est pas fléchette là. Hein, il faut mettre. Parce que vu que les insectoïdes ils font ça, du coup, tu peux continuer à les taper. Parce que ça va pas se fermer. C'est le principe des fléchettes. C'est bien normal? Ok, non, tout va bien. Tout va bien en fait. Tout va bien. Oh, ça alerte. Ouais, je me demande si c'est pas une fléchette qu'il faut mettre là en fait. Une par seconde. Mais donc la cadence, elle est moins bien. Go. Faudra améliorer celle-là. Si je fais ça, j'ai rien contre les volants. Ah putain, oui, c'est vrai. Sauf si je mets une tour d'archer juste à côté. Et ça fait des frais supplémentaires, quoi. Pourquoi les fléchettes? Ça tire pas ça. Hein. C'est une impression ou... Et là ça tire, vous voyez? Oh, il y a un truc bizarre avec les fléchettes. C'est moi ou... Peut-être c'est dans ma tête, hein, j'en sais rien. Hein. J'améliore ça. Hein. Ok. Maintenant c'est des armures. Armure. On va remettre ça ici, je crois. Oh là là, ouais. Merci. Je voyais l'insecte passer là. Moi bon, je remets ça là. Hein. Ça part en fait. Hein. Niveau 2. Niveau 2 sur ça, ça touche plus de choses. Voilà. Ah, peut-être qu'elle tirait derrière. Ouais, je faisais pas gaffe, c'est possible. 33 balles. Pas deux fois la même erreur.
Parce que là on pourrait améliorer, je pense qu'on va améliorer ça. Et là c'est giga problématique ce qui se passe. Mais y'a aucun monde là où ça tient. Ah quoique. Alors peut-être. Ah ça passe pas. Je pouvais mettre une tour mais en vrai Ah quoique hein. En vrai y'a peut-être moyen, y'a peut-être moyen. La cadence des flèches augmente. Je sais pas, je sais pas. Oh oh oh. Oh là là les génies. Ah par contre lui. J'aurais pas l'argent de toute façon pour poser quelque chose dans la tour. Ouais lui il va passer. Il va passer lui malheureusement. Je pourrais rien faire. À moins de... J'aurais pas l'argent. J'aurais pas l'argent pour ça. Non mon score parfait. Non. Non. Non envie de descendre moi-même. Le tarté là. Bon ça c'est niveau quoi? C'est niveau max? Ça c'est niveau 2, ok. Aïe aïe aïe. Oui oui je sais que quand les... Je sais que quand les insectoïdes montent sur les bâtiments ça les neutralise mais pas les... Pas les fléchettes. Donc je sais pas pourquoi tu dis ça mais je suis bien au courant. On peut améliorer ça. Mais ça ça touche plus de choses. Donc faut mieux améliorer ça en fait. Ok ça tabasse, ça tabasse, ça tabasse. Les insectoïdes là ça tabasse. Ok 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 ok. Salut Plune. La cadence des fléchettes augmente. Ah bon? Ah oui 3 par seconde. Ah oui mais parce que oui parce que c'est niveau 1, 2, 3. Oui c'est pour ça. C'est parce que j'ai amélioré, c'est pas au fur et à mesure ça, ça tire plus fort quoi, enfin je me comprends. Ok, qu'est-ce qu'on veut faire là en fait? On veut créer le détour ici. J'ai 16 balles. Faut se décider. Là, et on avait dit... À la fin on avait mis une arbalète. On va en faire ça. Et ici on avait mis du gel je crois tout à l'heure. Hein. Je sais plus. On pourrait améliorer l'archer là, il est toujours niveau 1 le pauvre. C'est quoi là? Armure inconnue. Non mais. Envoie. Envoie, vas-y. Ouais, j'avais un gel là. Après ça a pas marché tout à l'heure donc refaire les mêmes choses et attendre un résultat différent c'est un peu dommage. Mais un gel là... Je pense que c'était bien parce que tout à l'heure on avait mis une tour là. Ouais. Un gel là c'est bien. Ok. Je pense qu'il faut améliorer ça après. Pour les insectoïdes. Parce que tout à l'heure c'était vraiment un bordel à la fin. Enfin non, non, en vrai il me faudrait d'abord ici un ça. Parce que sinon le gel il sert à rien. Ok. Ok. C'est bon, on avance. Et l'idée ce serait de remettre finalement un gel là. Pour qu'ils arrêtent de courir comme ça tout droit. Allez courage. Après vu le bordel là je me demande s'il faut mieux pas améliorer ça en fait. Hein. Oh mais c'est quoi ça? Il vient d'où lui? Ok. Ok, let's go.
pitié, 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 canardez-le, faites quelque chose. Oh bah merci. Oh non mais il a encore toute son armure lui. Mais comment c'est possible? J'ai envie de péter un plomb. T'améliorerais pas les fulchettes niveau 2? Mais c'est niveau 2 et niveau 3 ça. Qu'est-ce que comment ça? Après gel, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde en fait hein. Faut faire quelque chose. Voilà, ce sera gel finalement. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera bien gelé là. Faut réussir à les tuer là, je vous en supplie, vous êtes 20 000. Ils sont 2. Bon, vous êtes pas 20 000, vous êtes 5, littéralement. Mais jamais ça passe, hein. Jamais ça passe en fait, hein. Peut-être. Canardez-le. Oh non. J'ai mal. Aïe. Bon. J'ai encore une place là-haut aussi. Hein. De toute façon, faut lancer là. Hein. J'ai plus de thunes. Ok. Donc là, dans l'idée, on veut faire ça ici. On veut faire une tour là et on veut mettre... Pas ça, hein. Bon, ça. Ok. Améliorer ça. Améliorer eux. Non mais le moustique là, le moustique putain. Le stick mou. Mais c'est perdu encore. Y'a un truc qui va pas, hein. Peut-être que c'est mon gel là qui va pas en vrai. Peut-être qu'il faudrait quelque chose de... Genre il faudrait peut-être un archer là en fait. Plutôt. Je sais pas. Là, y a vraiment un moustique quoi. Un seul. Après là la glace c'est bien parce que mine de rien ça ralentit aussi les insectoïdes. Et là. Il va y en avoir encore hein. Ouais. Ok. De toute façon, j'ai plus d'argent. On y va. Bon, tout à l'heure, on avait pris cher ici. Là, en vrai, ça a été. Hein. Ok. Tiens, défoncé là. Putain, j'ai envie de descendre moi-même et. Et me les faire directement, quoi. Parce que là, de toute façon, je peux plus rien poser. Je peux juste améliorer. Arbalète niveau 1. Celle-là, ça serait pas mal de l'améliorer hein, quand même. Ça là niveau 1 aussi. Ok. Ralenti. Attends, j'ai 26 balles. Donc on pourrait remettre ici. Ah mais là c'est un peu nul en vrai. Enfin, je crois que je préfère améliorer des bâtiments. Hein. Ok. Plutôt que la tour en haut à droite, tu mettrais pas deux archers plus un gel sur la ligne tout en haut à droite? Ça ferait un chemin plus court certes, mais bien plus de dégâts, non? Ah, mais oui, c'est ça le problème qu'il y a ici. En fait, il faudrait enlever cette tour pour que le chemin soit tout droit. Et en face, tu mets full DPS. Mais oui, mais c'est ça, évidemment que c'est ça. Bien sûr que c'est ça, c'est pour ça qu'on n'avait pas assez de DPS.
Mais oui, mais évidemment que c'est ça. Bah bien vu, hein. Je pense pas que plus de gel ce soit important ici. Ou à la limite ici. Ah mais oui, c'est ça, t'as totalement raison, c'est comme ça que tu tues tout ça là. Ouais. Bon, la musique est cool en vrai. Je m'en lasse pas depuis tout à l'heure. Je n'osais pas le dire, mais ça me paraissait logique. Mais vous savez, des fois je suis con, hein. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive aussi, hein. J'ai l'impression qu'il tape une fois tous les 15 ans, lui. Ça passe, hein? J'ai pas dit ça. Non, non, mais c'est moi qui dis ça. C'est moi qui le dis. Oh, je sais pas si ça passe, hein. Mais en vrai, ouais, il fallait tellement faire une ligne là-haut, là. Bien sûr qu'il fallait faire ça. Comment il court, là? Oh, c'est perdu. Perdu. De toute façon, j'ai 8 balles. Ce que je fasse avec 8 balles. Niveau 3, niveau 3. Niveau 3. Ça, c'est déjà niveau 3, niveau 3. Tout est niveau 3, sauf ça là. Niveau 3 là. Ah, mais lui, il touche rien là. Niveau 3, niveau 3, 3, niveau 1. Là! Oh le bazar! Oh le bazar! En vrai, ça va. La seule optique que j'avais pas, du coup, en fait, c'est la même que j'ai fait ici. C'est finalement comprendre que si tu fais un chemin plus court, tu peux quand même mettre plus de défense en fait. Et donc, c'est mieux. Courage! Courage. Du coup, ton gel tout à droite, tu en fais aussi du DPS. Oui, il fait du DPS, mais très léger, quoi. Enfin, ou alors, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. C'est quoi ce tas, là? C'est quoi ce tas d'ennemis, là? Quelle horreur. Allez, petite fléchette, là. C'est terrible. C'est terrible, ce que je vois. C'est terrible ce que je vois, j'ai envie de pleurer quoi. Ah mais le jeu est incroyable, Hades très très cool, hein, les nerfs. Très très cool. Mais en vrai ça se passe bien, je pense vraiment que ouais, le seul problème c'est d'avoir pris la décision de mettre une tour là alors qu'en vrai faut les mettre là-haut quoi. Je pense que c'est le seul problème. Sinon en vrai ça va. Il y a peut-être aussi une question de... vaut mieux peut-être mettre du gel... Enfin, changer peut-être l'ordre de ces tours-là, peut-être. Peut-être. Mais avoir le gel ici permet de geler les insectoïdes qui passent là. Donc je pense que le gel là, il est trop important. Et là, si je mets pas de fléchette, je peux pas attaquer les volants. Sauf si je mets un archer là, en fait. Et je pense qu'avoir des fléchettes là, peut-être c'est mieux. Hein. Ah, j'en sais rien, en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez de mettre des fléchettes ici plutôt? Vu que là on a double dégâts sur cette case là. Dans l'optique où t'avais une ligne tout en haut à droite, j'aurais fait archer, gel, archer, puis un archer à la place de ton gel actuel à droite. Ah, et full archer! Ouais, mais en vrai, les ennemis qui arrivent ici, c'est souvent des ennemis en armure, tu vois. Donc en vrai, moi je serais parti sur de l'arbalète. Hein. Bon, j'ai 3 étoiles, mais j'ai pas le or. Maintenant la question c'est est-ce que. Si je reviens vague 7, ça m'amène là où j'avais fait? Ah ouais! Oh bah c'est pile avant le... Ah mais j'ai déjà perdu les points de vie. Ouais donc en fait, dommage. Les fléchettes sur la case doublée ça coûte cher au début de la partie. Ouais mais en fait, peut-être tu t'en fous. Parce que là j'imagine que c'est le dernier point de la démo, hein. J'imagine. C'est pour ça que je prends mon temps. Ah ok, ah ça sauvegarde, ok, cool. Si tu quittes et que tu reviens, ça a sauvegardé tout ce que t'avais fait. Ok, j'ai envie de tester les fléchettes là, pour voir.
Pour voir. Ouais, t'inquiète, pas une chose. On se comprend. On discute. Je pense que c'est la pire idée du monde. Hein. Mais il tire. Regardez. Allô. Non mais il y a un... Vous voyez, bon, il y a bien un problème. Et voyez là, quand j'ai mis... Quand... Vous voyez là, là, ça prouve qu'il y a bien un problème. C'est peut-être mon PC, c'est peut-être les FPS, j'en sais rien. Si je fais ça, je suis sûr que ça va régler le problème. Vous me direz si ça lag, si vous avez l'impression que ça cafouille un peu sur le stream. Okay. Bon bah c'est pas ça. Bon bah du coup ça me donne un peu moins envie de tryhard, j'avoue. J'avoue que ça me donne un petit peu moins envie de tryhard, bah sachant que le bâtiment bug... Bah on est d'accord hein, je parle pas mal hein. Salut Zatiskun. Après c'est pas grave, on s'en fout, ça va être réglé, ça c'est évident. C'est évident que ce sera réglé. Maintenant la question c'est, est-ce que j'ai vraiment envie de me retaper tout le truc? Oui, bien sûr. Du coup, on met quand même un archer. Ou alors au début tu mets rien là. Et tu mets un archer ici, que tu améliores. J'ai le même problème chez moi, ok. Et comme ça, dès que j'ai 15, je mets ça ici. En espérant que ça bug pas. Merci. Alors. Ah, je sais pas, il y a... Ah, mais... Attends. Bah non, mais je peux rien faire en fait. Voilà, là attends. Et bah en fait non, on s'en fout. Terminé. Ah, quand ça marche bien. Par contre, faut pas dire. J'ai envie d'améliorer ça niveau 2 quand même. Qu'est-ce qui détermine ton argent? Quand tu tues des petits ennemis, tu gagnes 1 de thunes par ennemi, sauf si c'est un ennemi amélioré, dans ce cas tu gagnes 2. Les insectoïdes, donc les petits insectes qui courent et qui montent sur les bâtiments, eux te donnent pas d'argent. Et les ennemis corrompus non plus, les ennemis tout violets, bizarres, un peu comme le portail. Donc là faudrait faire ça pour qu'il fasse le tour maintenant, et on reprend le plan du gel, parce que ça fonctionnait très bien tout à l'heure. On est vague 2. Donc on commence à se dire que si je peux ici mettre la deuxième fléchette très vite, ça peut être bien. On va partir sur ça. Le problème c'est qu'en attendant, le gel ici est pas très intéressant. Mais bon. Enfin, genre eux c'est des ennemis corrompus, ils sont tout violés, donc ils donneront pas d'argent quand ils mourront. Ok. Ah c'est vraiment mais... Tant que je fais pas play pause... Ok. Je pense que ça va pas aller en vrai. Je pense que ça va pas aller mais on va se débrouiller. Bah c'est que tout à l'heure on avait un archer niveau 3 ici. Hein. Mais non mais si à chaque fois qu'il y a une tour qui tire je dois faire play pause, ça va être compliqué. On va s'en sortir. Et là on s'en sort pas en fait. Mais tire, tire. Ok, alors. On va passer au niveau suivant. Alors.
Waouh! Ah ouais! Nous avons testé ce prototype de ferme. Oh bordel! Chaque champ intact. Attends quoi? Nous avons testé ce prototype de ferme. Ah! Chaque champ intact rapporte 10 pièces à la fin de la vague. Oh! Vous pouvez construire une tour d'archer élite. Améliorez-la 3 fois pour la convertir en tour élite. La tour élite sont limitées et elles sont beaucoup plus puissantes. Améliorer là 3 fois. Ah oui, parce que d'habitude tu peux améliorer que 2 fois. Donc la première tour que tu améliores au niveau 3 deviendra élite. Ok. Mais il y a 3 portails. Oh le bazar. Le portail est là. Et vous voyez pas tout derrière moi. Mais bon, vous avez l'idée quoi. Big problem. Comment on fait? Oh, il y a un petit coquelicot là. Comment on fait? Parce que si tu mets une tour. Si tu mets une tour là, il peut pas taper là-haut. Attendez, hein. Parce que là, il y a 3 chemins. Et nous on aime. Est-ce qu'on aimerait que les ennemis soient tous dans le même chemin? Bof! Vaut mieux quand même un peu les séparer. Sinon, tout ton DPS est au même endroit et tes troupes, elles sont surmenées. Donc, avoir la séparation à la fin est peut-être pas trop problématique. Peut-être. Que ça, tu envoies les ennemis vers le bas. Non, je pense qu'il faut faire ça de toute façon. Ah oui, ça augmente la portée, ça augmente les dégâts, ça augmente la pénétration. Ok, donc c'est complètement con de le mettre ici. Très bien. Parce que bah là je tape sur rien quoi. Ah quoique, bah si en fait. Je peux le décaler d'une case. Je pense que si on le met là, c'est très bien. Dans l'idée. Alors... Un passage middle et une gatling. Attends. Parce que faut penser au chemin qu'on va vouloir faire en fait. Parce que est-ce que attends. Attends. Ok. En fait, je me demande, est-ce qu'on peut trouver un moyen de leur faire une ligne comme ça, en fait. Au lieu, parce que là, dans ma tête, t'as envie de faire des lignes comme ça. Et en fait, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen de leur faire un petit chemin comme ça. Il y a certainement moyen, en vrai. Mais du coup, peut-être que... C'est le début de la holo dinguerie. Bougez pas, j'arrive. Alors, parce que le truc, c'est que... Si tu fais ça, ça renvoie ça ici. Si tu mets ça là, ça envoie tout là-haut. Si tu mets ça ici, ça envoie tout sur cette ligne-là. Très bien. Là, ça te permet de mettre full tour. Mais si au bout, tu bouches le passage... Comme ça. Attends, ça va pas. Y a pas un contrôle Z. Attends, vous voyez ce que j'essaye de faire? Pourquoi ça marche pas? Dans mon cerveau ça marche, mais là ça marche pas. Et en fait, si t'arrives à faire un serpentin comme ça. Si au milieu tu mets la tour d'élite, mais laisse tomber. Hein. Tu canardes, mais tout le monde sur toutes les lignes, c'est incroyable. C'est incroyable, mais je pense pas que ce soit faisable en vrai. Il faudrait vraiment faire toute une ligne de tour, quoi. Imagine, tu fais.
Eh ouais, ça marche pas. C'est bon que ça marche pas, connard. Ah si, ça marche. Oh. Comme ça en fait. Oh, les petits bruits d'oiseaux là. Ça me met bien. Non. Je voudrais qu'elle soit là la tour. Comme ça le chemin passe là et eux ils peuvent canarder. Et si on enlève ça là? Ah. Ok. Mais alors. Du coup là ça nous laisse plein de place pour mettre plein de tours. Mais ça va coûter la peau du cul quoi. Mais encore une fois, si là en plein milieu. Imagine, imagine. Imagine quand même. Imagine quand même, on met une tour là d'élite. J'ai pas l'argent. Mais imagine. Imagine. Parce que ça. Ah non, si on en a besoin en fait. En fait, ce qui m'énerve, c'est. Faudrait une tour en plus là. En fait, faudrait enlever celle-là. Mettre ça là. Et. J'essaie de trouver juste le chemin au petit, d'accord? Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Quelque chose comme ça. Mais ça me dérange. Le fait que ça se soit vide. Est-ce que finalement, faudrait pas enlever ça et remettre plein de tours là en fait? C'est bien mieux. Bah oui, c'est bien mieux en fait. Tout ça devient des tours. Et là, tu mets ta tour élite ici, et là, c'est une dinguerie. Mais est-ce que. Parce qu'après, le problème, c'est une fois que ça passe là, je peux mettre une tour là, une tour là. Merci Formboy pour le follow. Bienvenue. Là, qu'est-ce qu'il va falloir ici? Parce que si tu mets. L'archer d'élite ici. Ah, c'est 20 balles la dernière amélioration. Attends, faut que j'arrive à imprimer le truc dans ma tête. Donc on fait un genre de mini L. Un trait qui descend, un trait qui monte. Aïe 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 aïe. Ok, on va y arriver. Imagine, j'enlève tout ça là. Ouais, c'est que sur PC, je pense, le jeu. Mais non, pas ça, ça. Ouais, c'est pas intéressant de mettre ça ici. Non, non, il faudra mettre là, faudra mettre la tour quelque part devant. Hein. Mais où? Parce qu'il faudrait planifier en fait. Ça, c'est l'idée. Où est-ce qu'elle serait mieux la tour? Là, non? Comme ça pourra toucher là-haut. Enfin, je crois. C'est bon un peu. Ouais, je pense que ça touche là-haut, hein. C'est pas mal. Je pense c'est pas mal. Donc sur cette ligne-là, quoi qu'il arrive. Peut-être encore un en avant là. Pour que ça puisse taper encore un. Le chemin il fait ça. Ouais, quoique on n'a pas besoin en fait. Là c'est bien. Ok. Très bien. Le début des problèmes. Alors, les fermes, j'ai pas compris en fait. Comment ça intact? Ah, parce que tu peux mettre, d'accord, tu peux mettre des choses dedans. Ah, tu peux, ah oui, d'accord. J'ai compris, ça y est. Donc là, si je mets ça ici. Parce que dans l'idée, on sait que ma tour de. Ça commence. Ma tour d'archer, on sait qu'elle est là. Donc en soi, on pourrait la poser. Et déjà l'améliorer. On pourrait. On pourrait en fait.
Merci Queen Aceline pour les 33 mois. Tu dis qu'il vaudrait mieux mettre ça plus haut? Merci Queen Aceline. 33 mois de sub à la chaîne, merci pour le soutien. Merci beaucoup. Et du fait, peut-être que là, ça me dérange pas trop que ce soit scindé au début. Au début. Et genre là, on met... Attends, mais les insectoïdes, quand ils vont passer... Et ça va être terrible. En fait, il me faudra vraiment... On aura trois rangées. Il faudra des fléchettes... Il faudra des fléchettes partout, en fait. Hein. Fléchettes, là? Non, mais les fléchettes, pas au début. En vrai, faut ça, là. Faut ça. Hein. Et là, on faisait comme ça, je crois. Hein. Ouais. Hein. On va mettre du gel. Et là, on va mettre des archers. Tout est clair. C'est parti. Merci, Valou, pour les 42 mois. Je savais pas que c'était le jour du resub. Merci beaucoup. Merci, Valou. Il y a plein de... Voilà. Oh, le bazar. Oh, le bazar. Attends, j'ai plein de thunes, j'ai plein de thunes. Donc là, le truc, c'est qu'on pourrait déjà boucher là si on voulait. Faut boucher. Oui, faut boucher. Je vais pas mettre de tour dessus pour l'instant. Faut boucher ça aussi. En fait, on va tout boucher tout de suite. On va faire le chemin. Attends. Non mais ça c'était pas là, ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si, je crois que ça devait être là, ça. Je sais plus. Je sais plus. Bref. Là, j'ai arché. Là, il y avait du gel. Donc là, on va remettre un ça. Et il faut des fléchettes. Mettre des fléchettes là. Ah, comme ça, les fléchettes, elles tirent. Ah putain, mais ça arrive déjà ! Fléchettes. Ok, fléchettes là. Ça, c'est quoi ? C'est des arbalètes. Ok. Qu'est-ce qu'on veut améliorer ? Archer. J'ai 18 balles. Je suis en surmenage. Attends. Je pense qu'il me faut plus de fléchettes. Hein. Je pense. Hein. J'aurais dû mettre là. Ok. Voilà, les fléchettes, ça part. Là-bas, ça tire ici. Je crois qu'on s'en sort, mesdames et messieurs. Ouais, 33 balles, ok. 33 balles. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à partout? Améliore le méga truc très vite. Il est déjà à fond. Je peux pas l'améliorer plus que ça. Ah, je sais pas, je trouve que son placement, il est pas incroyable. Je me demande s'il était pas mieux là, en fait. Est-ce que le placement optimal de ça, c'est pas ici? Et genre là, tu mets full fléchette. Ah non, parce qu'après, tu tapes full dans le vide, là, en fait. Non, c'est pas mal, là, en vrai, je pense. Je pense que c'est pas mal. Donc là, la route, c'est ce qu'on voulait faire. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle pourrait être opti un peu plus? Hein? Oui, mais le problème, c'est que faire ça... Ouais, non, ça va pas. Non, bah... Non, on est bon, hein. La route est bonne, je pense. Maintenant, faut construire tout le long, quoi. Je pense, hein. N'oublie pas que tu peux mettre des deux côtés de la route pour plus de slow. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai 33 balles. Parce que là, ça va geler ici et là. Donc je pense qu'il faudrait remettre un gel à peu près ici. À peu près là, je pense. Remettre un gel là. Et bon, il faut du DPS à côté, quoi. Là, on a un archer, on a deux archers. Ils sont très bien. Ça, c'est arbalète. Ici, j'ai deux fléchettes. Je me dis qu'avoir trois fléchettes, c'est peut-être pas mal, hein.
Il me faudra peut-être une fléchette là en fait. J'ai plus d'argent. Je pense qu'il faudra mettre une fléchette là. On a quoi là? Insectoïde, insectoïde, insectoïde. Ok. C'est la merde. C'est la merde. Je vais être obligé de mettre une fléchette là. Un peu nulos. J'aurais vraiment aimé pouvoir mettre une là parce que eux ils vont pouvoir geler un petit peu. En fait je me dis... Je pense que j'ai merdé mon truc. Parce qu'en fait... Non, les... en fait les tours elles auraient... Enfin j'allais dire elles auraient été mieux au-dessus. Comme ça les insectoïdes passent au milieu. Et donc t'as pas de soucis, les tours se ferment pas. Mais en fait si tu fais ça, bah la tour, la zone du haut sert à rien. Enfin, c'est trop chiant quoi. Ah ouais là, une fléchette là, ouais. Oh, vous êtes des génies. Donc ça va pas taper la ligne là-bas, mais ça sera déjà pas mal. Ouais, bien vu, bien vu. C'est ça qu'il nous faut. Pitié. Allez, ça bosse là, ça bosse. On améliore les archers. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ça bosse, ça bosse. 11 balles. Qu'est-ce que je fais avec 11 balles? Je peux pas améliorer ça, c'est déjà à fond. On peut rajouter quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on voudrait mettre? J'en sais rien. Arbalète. On pourrait peut-être du gel là. Du gel là, pour que ça gèle ici peut-être. Sinon améliorer ça c'est pas mal aussi hein. Parce que là il y a beaucoup de... La couverture est très grande ici. Ça aussi il faudrait l'améliorer hein. Ah il y a re des insectes qui arrivent là. Ça tire ou pas? Ça tire pas, pourquoi ça tire pas? Pourquoi ça tire pas? Ça tire pas. Ok ça tire, ça tire. C'est la merde. Je crois que c'est la merde hein. J'ai pas envie de vous faire peur, mais je crois que ça va pas du tout. Hein. Les fléchettes qui tirent pas. Les fléchettes qui... Ah, il fait rien, lui. Lui, il fait rien. Il fait absolument rien depuis tout à l'heure. Je l'ai pas vu tirer une seule fléchette. Il a tiré aucune fléchette. Je crois que c'est bon, ici. Enfin, c'est perdu. Hein. Dommage. Ma gestion du gel, ça va pas. Hein. Ouais, peut-être qu'il faut faire dans l'autre sens. Hein. Peut-être que finalement, mon intuition du début, elle était pas bonne. Hein. Vas-y, je retente. On est encore au début, je préfère retenter. Comment je peux faire pour forcer les ennemis à aller de haut en bas? Parce que si je fais ça... En fait le problème c'est ça, c'est que en fait il faudrait... Quelque chose comme ça plutôt? Ah c'est pas mal ça. Peut-être c'est mieux en vrai. Je sais pas, ça me paraît moins bien comme ça. Pas vous? J'ai l'impression que c'est moins bien, mais ça doit être... en vrai ça doit être cool. Et l'archer d'élite, il serait là, je pense. Ah, en vrai, là un gel, ça met bien. Je peux opti une dernière ligne. Ah ouais? Comment? Il pourrait y avoir une ligne de plus sur le décalage en haut à gauche. Ça?
Enlève ta quatrième base. Celle-là? Ah ouais! Parce que du coup... Voilà, et du coup tu mets ça ici. C'est trop fort le chat. C'est tellement des machines. Ah là c'est pas mal hein. Là c'est pas mal quand même hein. Ah là! Et là ouais là tu mets l'élite là en plein milieu là. Tu mets le gel là. Qui tape bien dans les coins là. Comme ça là. Qui les caillasse là. Voilà. Bon, j'arrive à garder ce plan là en tête. Ouais, et du coup, là, t'as quand même de quoi tataner, quoi. Si t'enlèves ça et que tu mets ça ici. Ouais, ça décale juste le problème. Pareil, si tu mets ça là, ici. Ah, c'est mieux de faire ça, en fait, hein, je crois. Hein. Au moins, là, tu peux remettre des tours. En fait, je crois que c'est juste mieux et plus simple de faire ça, non? Je sais pas. Ah, je sais pas. Parce que là, sinon, cette case-là, elle sert à rien. Et du coup, là, tu perds du DPS ici et là. Ouais, c'est mieux de faire juste tout droit, je crois. Hein. Et donc, il faudra en rajouter une ici. Ok. Donc, les premières qu'on va vouloir mettre, c'est... À celles qui sont sur le devant. C'est dommage qu'on n'ait pas une touche pour supprimer direct. Donc l'archer, on a dit qu'on voulait le mettre. Vu que ça va remonter là. Le gel devrait être ici, je pense. Et donc l'archer ici. Oui, mais s'il est ici, il va se fermer quand il y aura les insectoïdes. Les insectoïdes prennent les trois cases ici. Trop chiant ça. Comment tu fais pour que les archers d'élite soient les plus intéressants possibles? Parce que les excentrer, c'est trop dommage. Et après, si ça leur permet d'être actifs constamment et toucher les trois lignes. Oh, mais c'est dommage quand même. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites dans le chat? Déjà, qu'est-ce qu'on met au début? Qu'est-ce qu'on mettrait au début comme tour? Parce que dans tous les cas, celle-là, je suis obligé de la laisser, sinon ça casse tout le truc. Donc ça, dans tous les cas, je pense que je suis obligé de laisser. Ouais, j'ai qu'un seul archer d'élite, ouais. À la limite, celle-là, on peut ne pas la mettre au début si on veut. Mais à mon avis, autant la mettre. L'idée, bah, j'allais dire, ce serait de mettre du gel, mais en fait, si on met du gel là, ça sert à rien. Par la suite, donc. Arbalète. Arbalète. En fait, moi, mon vrai problème, ma vraie problématique, c'est que si on met l'archer d'élite ici, il va se fermer quand il y aura les insectoïdes. Et pour moi, c'est trop dommage en fait. C'est trop dommage. Fléchette sur la deuxième ligne. Je pense que fléchette, on va refaire comme tout à l'heure, on va en mettre une là. Ça, c'est sûr. Après, on pourrait mettre deux fléchettes là, hein, dès le début. Hein. On pourrait. Hein. Là, j'ai pas de thunes, c'est terrible. Ça m'énerve. Vous le mettriez où l'archer, vous? Parce qu'en vrai, si je le mets là, encore une fois, il se ferme pas quand il y a les insectoïdes. Mais c'est le seul problème, quoi. Ou alors faut le mettre ici. Juste au bord du centre. Bah là quoi. Le problème c'est que ça va rien toucher. Ou alors ici. Dans ce cas. Ouais. Mais le problème c'est que... Merde. C'est que... Je peux pas tout faire tout de suite. C'est ça le souci.
Le souci, c'est que je peux pas partir avec juste ça. Donc à la limite, on peut faire ça, hein. C'est pas trop un problème, vu qu'ils tapent... Mais ils sont pas élites, ouais. Vu qu'ils tapent loin, on peut se permettre de faire ça. Pour l'instant. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Bon, vas-y, recommence. Recommençons. On va y arriver. On a bien analysé en vrai le truc, c'est cool. Peut-être que tout à l'heure, au début, on n'avait pas fermé l'accès tout de suite. On avait fait ça un tout petit peu plus tard. Et je me dis qu'il faudrait peut-être faire la même chose ici. Donc ne pas bloquer cet accès-là tout de suite. Et donc faut réimaginer le chemin. Donc là on a un truc tout droit ici. Après. Donc là on pourrait déjà anticiper ça et mettre une tour là. Et cette tour c'est censé être l'archer d'élite. Ok. Là on pourrait mettre une arbalète. Et là une fléchette. Et c'est pas si mal. On pourrait même commencer à faire le mur suivant ou alors à rassembler les lignes là-haut. On va rassembler les lignes, je pense. J'ai l'impression que c'est de la merde. Et... Hop. Fléchette ici. Attends, ralenti. Mais eux ils sont passés. Ils sont juste passés. Après j'ai été très très long à la détente. On va y arriver, c'est promis chat. Donc ça. Ça c'est bon. Ensuite on a dit ça ici, fléchette là. Hop, on start. Faut que je sois plus rapide. Ça ici. Voilà, c'est bon. Et les fléchettes fonctionnent ou pas? C'est bon, ça fonctionne. Faut être plus rapide à la détente. Peut-être mettre des archers là. Je sais que c'est bizarre, mais ça va aller. Ça va le faire. Là, on fait ça. Ça. On pourrait... Je pense que le gel... On va mettre des fléchettes là-devant. Remplis tes tours par pitié. Donc ça. Il va falloir des archers. Hein. Pour l'instant, ça roule. Je pense que je vais remettre des fléchettes là. Ok. Et là, on met du gel. Tu commences par une ligne de fléchettes, puis sur la deuxième, tu mets arbalète et gel, et sur la troisième, archer, arbalète et gel. Juste devant le... Ah oui, c'est pas fini, ok. Troisième ligne au centre pour toucher partout. Non mais il est bien là. Le mec a aucune idée. Faut y aller, hein. Meilleur ça, là. C'est celle-là que j'aurais dû améliorer. Mais là, 100%, ça va passer, là, non? Je mets mes archers en dehors de la zone du milieu pour pas qu'ils puissent être... pour pas qu'ils se ferment, en fait. Enfin, je regarde ce qui se passe au ralenti, là. Il tire pas, lui, hein? Ah si, il tire, c'est bon. Ok.
30 balles. En vrai, ça va. Ce qui me dérange juste, c'est cette... C'est prévu, ça? Qu'on ait rien, là? Ça paraît trop bizarre. Et du fait, je me dis qu'il faudrait peut-être remettre des fléchettes, en fait. Hein. Max de fléchettes, là. Hein. Au milieu. Un peu de gel, quand même, pour dire deux, mais max de fléchettes. Hein. J'ai 31 balles. Ça, là-haut, ça me dérange pas qu'il y ait rien dedans. Archer niveau 2. Arbalète. Ah, je pense qu'il faut... Ah, peut-être déjà faut continuer le chemin en fait. Hein. Je pense que c'est plus important d'aller d'abord remonter le chemin que de renforcer les tours qu'on a là. Là ça va être quoi? Insectoïde. Beau. Putain, ça a tenu. Ça a tenu, mesdames et messieurs. Ok. Ralentis la cadence. Donc là, on va remettre une tour ici. Et là. Commencer à remonter un peu le chemin. Parce que juste mettre des tours là, ça me permet de refaire du DPS avec eux de l'autre côté. Donc en fait, c'est avantageux pour moi, quoi qu'il arrive. Voilà, je m'arrête là. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça en vrai. J'ai dépensé trop d'argent, je crois. Parce que là, il se passe rien là. Mais dans tous les cas, j'étais niqué. Je peux pas faire vague moins 3. Ah, c'est dommage en vrai, il reste pas grand chose. Donc si j'avais fait une tour de moins et que j'avais mis un peu de DPS, c'était bon. Ok. Bon, l'idée est bonne en vrai. Donc là c'était ça, ça, ça. En fait, je me demande. Si on fait juste un mur là, comme ça. Est-ce que c'est pas mieux que de faire le petit truc qu'on faisait au début? Je pense que c'est mieux, hein. Que de faire le petit crochet qu'on faisait au début là. Combien de jeux encore après? Normalement deux, mais je pense qu'on va... Enfin, il y en a un qu'on va peut-être chanter parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant, mais... c'est mieux, je trouve. Ouais, je trouve aussi, le problème, c'est que bah, pour start, c'est plus chiant, quoi. Pour start, c'est beaucoup plus chiant. Et l'élite, on l'avait mis ici. Hein. Et ça, c'est pareil. Je sais pas si c'est une bonne idée, en vrai, qu'il soit aussi désaxé. Et du fait, je me demande si full fléchette. Mais ça va pas être suffisant pour tanker le début en fait. Pas obligé de faire l'élite maintenant. C'est vrai ce que tu dis. Pas obligé de faire l'élite maintenant. Et mine de rien, ça me permet quand même de... Je sais pas. Non, parce que si je la mets au centre, en fait, quand les insectoïdes vont passer dessus, il servira plus à rien. C'est le problème que j'ai. Mais ouais, peut-être qu'il faut forcer ça au début. Ici, on pourrait mettre des archers. Est-ce qu'il va en falloir, hein? Il me reste 20 balles. Et ensuite... Vu que ça c'est censé être l'élite, on devrait remettre un archer là-haut. Mais en fait, il n'y a aucun monde où ça passe, ça. Ça me paraît si compliqué. Il me reste 10 balles.
pitié. Ouais, voilà. Il y a déjà un insecte qui passe. Ça va pas, mesdames et messieurs. Ça va pas. Non, mais après, tant pis. Hein. Je veux dire, c'est parce que j'aime bien ce genre de jeu, donc j'ai envie d'opti. Mais je pense qu'effectivement, c'était mieux de faire ça, quoi qu'il arrive. Après, là-haut, j'avais la sensation que mettre ça, c'était quand même trop important. Ça et ça en dessous. Mettre un archer là. Ok. Ensuite. Commencer là-haut peut-être. Et ouais, mais là-haut t'as envie de rien mettre. C'est ça le problème. Et là mettre un archer quand même. C'est quasiment ce que j'ai fait avant, sauf que là c'est ça. Et le truc, c'est que cet archer là, il a pas réussi à tanker le flow juste avant. Donc là ça va être pareil. Comment j'ai start tout à l'heure? Ah bah oui, mais j'avais une tour en moins à poser, c'est pour ça. Là on a start avec 3 tours ici. Sinon j'enlève celle-là. Mais ça change pas que je peux pas faire une tour en plus en fait. L'archer en bas est pas très utile. Bah il permet d'aller chercher les volants, hein, parce qu'il y en a dès le début en fait. Hein. Alors après je peux vouloir anticiper. Non mais je peux pas en fait. J'ai pas les finances. Parce que là en fait les volants vont passer. Donc à moins d'aller mettre une tour là-bas. Mettre un archer là. C'est un plan de jeu en 4 dimensions encore une fois là. Même moi je suis pas certain. Ok. Ralentis le temps. Là on va vouloir descendre. Voilà. On va vouloir mettre du gel ici éventuellement. On a déjà un peu de DPS. Et à côté on va mettre des fléchettes. Ça passe ça? Ouais ça passe hein. Oh je pense tant pis hein. Je pense qu'il faut mettre l'élite dès le début hein. Je pense hein. Améliore l'archer en bas. Ça va aller. C'est quoi le start qu'on faisait? C'était... On mettait les 4 directs hein. On mettait 1, 2... Non, non, non. On mettait 1, 2, là-haut, ça. En bas ici, rien. On mettait une tour ici pour prévoir l'archer d'élite. Et une tour là pour un nouvel archer. On met ça là-haut. Et ça part. Ok. On va peut-être y améliorer celui-ci. Hein? Sauf que là, on va remettre ça. Une tour ici. Non, c'était... C'est ça, parce que là on remet une tour. Voilà. Et là on remet des archers. Ok. Je crois qu'on est. On a enfin un start qui ressemble à quelque chose. Je crois. Je me demande si c'est pas lui qu'on va faire en élite. Hein. Je me demande, mais en vrai là c'est pas gagné. Hein. Bon ça va en fait. Ça va peut-être aller. Là on remet des fléchettes. Et... Oh c'est pas facile hein. C'est pas facile. J'essaie de voir tout ce qui se passe en même temps. Ok on s'est occupé de ça ici.
J'aurais pas dû mettre ça là en fait. Parce que là ça tire plus. On va améliorer ça. Peut-être moyen que ça passe. Il y a peut-être moyen que ça passe. Mais vraiment peut-être. C'est passé mesdames et messieurs. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. C'est la run. C'est celle-là en fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mettre des archers sur les bords, ça je trouve pas ça déconnant. Hein. Peut-être que c'est lui mon élite. Hein. Parce qu'il va pouvoir être tapé devant là, cette ligne-là, la ligne derrière. Je pense que c'est lui mon élite. Hein. Je pense. Hein. J'ai 31 balles. Là, on a quoi? Full insectoïde. Donc je pense qu'il faut améliorer... Pour améliorer les fléchettes quoi qu'il arrive. Je peux améliorer deux fléchettes. Pour améliorer les deux qui sont devant. Et on va partir. On ralentit le temps, comme ça je vois bien ce qui se passe. Ok c'est parti. C'est la merde là. Hein. Parce qu'en plus eux ils touchent que sol, ouais c'est... Ça va être compliqué. Je pense qu'il faut réaméliorer ça. Je pense que ça passe. Eux c'est 20 du coup pour passer en élite. Hein. Je pense que c'est clairement eux qu'on va mettre en élite. Ok. Pas mal. Est-ce qu'on les passe maintenant en élite? Peut-être un peu greedy hein. Pas. Ah il tire sur la première ligne, ouais bon c'est... Je pense que c'est clairement là qu'il faut les mettre. Hein. C'est clairement là qu'il fallait les mettre. Peut-être ça mériterait un petit gel là. Pour tempo un peu sur cette ligne là. Ça mérite un gel là je pense, ouais. Oh il y a du monde qui arrive là. Oh là là. Je pense qu'il me faudrait un archer là. Je pense. C'est la merde là. Ça tire là. C'est la merde là. Tout est au ralenti. Mais j'aime bien au ralenti parce que sinon je vois rien, j'ai pas le temps. Je suis un papy. Ouais. Ah mais là ça va passer là. Tout ça, ça va passer ici. Je tente de spam click. Ah c'est perdu. Ah j'aurais dû rajouter des blocs ici en fait. Avec ces blocs là je pense que ça passait. Pas mal, pas mal. Alors peut-être. Ok cool. Ok. Est-ce qu'on va le faire? Je pense qu'on va le faire. On l'a fait. Ok. Je pense que... En fait ça manque de fléchettes là. Je pense que ça aurait dû être une fléchette encore. Donc pour compenser il faudrait deux fléchettes ici je pense. Mais ça commence à faire beaucoup. Mais je vais manquer de gel aussi hein. Bon. Là c'est quoi? Volant. Niveau 3. Il me reste 13 balles. Ok. Parce que les fléchettes, c'est... Ouais, c'est que le sol. Ah oui, c'est terrible en fait ce qui se passe. Ok. Eux ils vont même pas réussir à toucher là en fait. Pour la range.
Ok, bon, il devrait s'en sortir. J'avais dit un gel là-haut, ça serait pas mal en vrai. Hein. Ça va aider. Hein. À ralentir tout le monde. Je pense qu'un niveau 2 là peut être pas mal. Ah oui, là c'est le DPS check. DPS check. Peut-être là c'est pas mal. Gel sur les extrémités, non, parce qu'en fait je préfère geler avant et après pour que les unités autour fassent du DPS, que si t'as le gel que là, en fait ça va geler là et en fait il va rien se passer pendant tout là en fait. Non non, ça serait trop dommage. Je pense qu'il me faut une arbalète, quoique là on avait dit des fléchettes hein. Parce qu'après c'est volant encore. Je sais pas en vrai. Je pense qu'on est bon là. Hein. Je pense qu'il faut améliorer ça en vrai. Ça passe. Ouais, alors on va mettre des fléchettes des deux côtés de l'archer d'élite. C'est l'idée. Fléchettes. J'ai plus d'argent. Donc là c'est volant. Hein. Ah non, c'est sprinter. Merde. Je peux me faire rembourser si je veux. Sprinter ? Ouais, donc là il nous faut du gel. Faire rembourser une des deux. Donc là on a du gel là, on a du gel là. Il m'en faudrait là en fait. Parce que là-haut on va vouloir commencer à boucher l'accès, je pense. Voilà, pour forcer à redescendre derrière. Là que les sprinters arrivent. Et il faudra mettre du gel là sûrement. Sûrement. Là la rapidité du bordel. Ok. Gel. La bourbou ça me paraît pas mal. Fléchettes serviront à rien là-haut, donc ce sera forcément arbalète ou archer. Peut-être arbalète, parce que archer on en a déjà beaucoup. Après je me dis qu'arbalète ça serait peut-être mieux là, hein, en soi. Ça couvre plus de terrain. Et ça peut faire une tour en plus. Donc autant mettre... Ah mais non, mais ici on avait dit que c'était une fléchette. Arbalète sur la première colonne, ici. De toute façon il va falloir combler les trous après hein. Clairement. Enfin, il va surtout falloir améliorer un petit peu aussi. Hein. Là, mon arbalète est toujours niveau 1. Et si je remets ça là, ouais ça fait le chemin complet hein, pour juste une tour. On y va. Je suis concentré là. 9 balles. Faudrait améliorer des trucs là. Archer niveau 3. Je vais regretter de pas avoir amélioré la fléchette. Je le sens. Ah. On va récupérer de l'argent après. Hein. Oh, y'a du monde encore. Hein. Oh, aïe aïe. Oh, y a du monde. Ça canarde mais ça fait pas de dégâts, hein. C'est terrible. Hein. J'ai gardé mon argent pour améliorer les fléchettes. Ça va passer là, oui. On va réussir à les tuer là. On a plus de gel après, hein. Une fois qu'ils vont commencer à sprinter, ça va être terrible. Hein. J'ai un peu peur. Hein. Après, on a 3 archers là, on a des fléchettes ici. Ça devrait aller. Ok. Un peu peur lui, il fait un peu peur. Hein. Fumez-le! Pitié, pitié, pitié.
C'était au poil de fesse, hein. Améliorer les fléchettes. Parce que là, c'est full insectoïde en plus, hein. Donc là, faut vraiment faire que les fléchettes. Les deux frontes. Et il me manque 3 balles. À tout moment, je casse ça. Et j'améliore. J'aurais perdu 2 balles dans le truc, quoi. Ouais, l'élite est bien là, je trouve. L'élite est pas mal. Je crois que j'ai envie de péter ça. Hein. Peu de chance que ce soit vraiment utile en vrai. Hein. Là, tout de suite. Et ça me permet d'améliorer ça tout de suite. Je pense que ça servait à rien de faire cette micro-opti, mais bon. Ah ouais, il y a des nouveaux mobs que j'ai jamais vu avant. Ok, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Améliore ça. Ok. Et les fléchettes, ça touche que au sol, ouais. Après, c'est déjà ça, hein. Ok. On est pas mal, on est pas mal. Clairement un check de DPS là. Et c'est niveau 2. Ça c'est niveau 3, niveau 3. Donc je peux réaméliorer ça si jamais. Ça c'est vraiment pour voir si t'as assez de tours. Hein. Si t'as été assez intelligent pour pas laisser tes archers au milieu. Putain, j'arrive plus à parler. Donc là c'est volant. Niveau 3, niveau 3, niveau 1, niveau 3. Bah, je pense qu'on est bien. On pourrait mettre un archer là, mais je pense pas que ça sera très utile. Hein. Ça touchera personne en vrai. Parce que si déjà là... Ah si, ça pourra toucher la ligne qui est là, mais... Je crois que je préfère encore mettre du gel ou une arbalète. En vrai, une arbalète là, pas trop mal. Je vais garder ma thune pour l'instant. On va voir ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Faut que ça meure. Hein. Après, sinon. J'ai peut-être un peu overreact ici. Hein. Un peu beaucoup. Allô? Ça ici. Remettre du gel là, je pense. Le bazar. Ok. Quoi après? Volant? En volant c'est actuellement. Sprinter. Ça va passer ça? Je pense que oui. Bah quoique. Allô? Il y a du monde en bas, il y a du monde en bas hein, qui les attend. Tout va bien. Ça devrait aller. Il y a encore un. Oh là, il y a encore lui là. Pitié. Ok. Ah. Donc là, c'est sprinter. Le gel ici est niveau 2. Un petit niveau 3. Mine de rien, là aussi, ça manque. Là, on pourrait rajouter du DPS, hein. Je pense que là on passe à niveau 3 quoi qu'il arrive. Ça niveau 2. Et peut-être ça niveau 2 aussi. Parce que ça tape là aussi. C'est pas mal. Après les arbalètes sont toutes niveau 1. Faut améliorer ça. Hein.
Falloir améliorer les arbalètes. Et c'est la merde. Niveau 3, ça c'est niveau 2. Améliorer le gel ici peut-être aussi. Léchette, niveau 3. Si c'est possible. Nickel. Je crois qu'on s'en sort bien. Je crois que ça tourne. Il faut vraiment que j'améliore ça en fait, maintenant. Ça c'est niveau 3 hein. Ouais. Après celle-là elle se ferme donc peut-être plutôt celle-ci. On y va. Ça c'est niveau 3, ça aussi. Ok, ça c'est mort. Celui-là est pas mal à améliorer en vrai. Mieux que celui-là. Là, il me faudra une arbalète aussi, je pense. Mais il y aura plus de gel, ça fait un peu chier. Bon, en vrai, ça tient. Hein. Combien de vagues par niveau? Bah, ça dépend. Là, on est à 11. Enfin, il y a 11 vagues en tout. J'ai 30 balles. Je pense qu'il faut améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-haut en fait? Des archers, ça fait peu de sens. Je pense qu'il faut remettre des arbalètes là-haut. Hein. Merci, Code Nagato. Merci beaucoup. Et bienvenue. Oh, je suis... J'ai les yeux défoncés. Après, ça, c'est pas amélioré à fond. Hein. Là, il y a un archer niveau 1. Là, on a quoi? Armure. Ouais, bon, clairement... Clairement... Hop. Et ouais, il y a de la place. Là, il y a de la place là et ici. Pour rajouter des tours. Après là j'ai de quoi rajouter une tour et une arbalète dessus. Mais en soi est-ce qu'on préfère pas améliorer celle-ci? Peut-être. Parce que ça c'est déjà niveau 3 hein, ouais. Je pense à pas un... Adienne que pourra. On va améliorer ça. Poser une tour là-haut. Peut-être le gel aurait dû être là en fait. Plutôt. Ok. Niveau 3. Ouais, je pense que ça va pas suffire, hein. Je vous le dis. Je pense que ça va pas suffire. En vrai, j'aurais dû garder mon argent pour poser ici. J'ai pas, j'ai la sensation que ça va pas suffire en vrai. Ils ont tellement d'armure. Sont tellement rapides. J'ai peut-être pas assez de gel aussi hein. Niveau 1, niveau 3, niveau 1. Regardez, on met tellement de temps à en tuer ne serait-ce qu'un seul. Ah, en vrai ça devrait aller. Ça devrait aller. Ouais, ça va aller. Ça va aller.
C'est vrai qu'on pourrait remettre un gel là, mais je pense pas que ce soit utile en vrai de mettre deux gels l'un à côté de l'autre. Je pense pas. Non, il faudrait une arbalète encore là. C'est vrai que plutôt que vouloir la mettre là-bas, j'aurais dû vouloir la mettre ici l'arbalète. Là c'est quoi? Ninja? Après il y a un monde où t'as envie de mettre un gel ici encore. Mais ça invalide un peu le fait que ça existe. Non mais sinon une arbalète là, hein. Pas plus de dégâts. Hein. De toute façon on sait qu'on touchera pas de volant ici. Donc arbalète là-haut. Il y a du gel, je pense, assez souvent sur le plateau. Je pense que c'est suffisant. Peut-être aller chercher un gel 3. Et une arbalète là. Ah mais c'est des ninjas eux. Les insectoïdes c'est des ninjas. Ah. Ah ouais. Ah ouais. J'ai jamais fait gaffe à ça en fait. Il y a des insectoïdes ninjas. Niveau 3. Niveau 3, bon lui est niveau 1 mais trop tard maintenant. 3, 3, 3, 3. Ouais, j'ai que du 3 ici. Hein. Niveau 1. On va mettre une arbalète là-haut, je pense. Améliorer. En vrai, je pense qu'on est vraiment bien. Hein. Je pense. Hein. Sacrifier un champ. Je pense pas que ce soit utile. Hein, parce que de toute façon, même si je pose quelque chose là, je pourrais pas toucher ici. Là faudra juste mettre une tour là, mais en soi je peux rien faire là. Enfin j'ai la sensation que ça me donne quoi. T'en sors avec les petites bestioles? Oh le bazar, oh le bazar. Ça tape là? Qu'est-ce que je veux faire là? Améliorer l'arbalète je pense. Arbalète niveau 3. J'aimerais bien en mettre une dernière ici. On va réussir à terminer ça? J'ai très peur, hein. La France a peur. Je pense qu'on est bon. Arbalète ici. Améliorer. Archer. Ok, on s'en sort. Oh, aïe. T'as eu le pis. Prendre 6 balles, ok. Ah, j'aimerais bien améliorer ça. Améliorer ça. Divers. Donc là, tout est niveau 3. Ah non, pas là. Améliorer ça ici. Ok. Dans l'idée, ici, on va vouloir mettre un archer, je pense. Pour les éventuels volants qui auraient réussi à passer. Compléter dernière case où tu as rien. Bah ouais, mais je peux pas, j'ai pas de thune. J'aimerais bien. Ok, gel 3, gel 3, gel 3, gel 3, ça va passer. Hein. Peut-être c'était une fléchette qu'il fallait. Au moins c'est fait. Putain, j'overreact tellement. Oh, il y a du monde, hein. Ok, ils sont morts. Lui là, ok, c'est bon, c'est fini. Là-haut, arbalète 3. Arbalète 3. Tout ça c'est bon. Ici on peut rajouter un bâtiment. On va remettre arbalète encore.
Après il n'y a plus personne là sur le chemin, donc je vais pas dépenser mon argent maintenant. Mais dans tous les cas je peux rien améliorer, je peux rien rajouter. Non. On devrait être bon ouais. J'ai 60 balles hein. Oh j'ai fait tellement d'argent. Dernière vague hein. Dernière vague. Je pense que tu rajoutes une arbalète là. Niveau 3. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je pourrais remettre un bâtiment là, mais je trouve que c'est... Après, en vrai, autant le faire. Hein. Avec du gel. Au moins, tu gèles tout ce qui sort ici. Arbalète. Parce que j'ai encore 34 balles. Après, on pourrait construire là-dedans, hein, vous avez raison. Mais en fait, le problème, c'est que si je construis là, je touche pas la route, quoi, aussi. Ah si, ça touche la route. Ah, ça touche la route. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement... Soit vraiment blinder en archer si on a peur... 11 inactifs. Ah, ah, volant. Ok, il y a que celui du milieu. Ah putain, mais si j'avais vu ça... Attends, je peux me faire rembourser ça ou pas? 100%. Parce que du coup, si c'est que des volants... Ah non, c'est principalement des volants. Ouais, mais justement. Je pense qu'on va faire des... Après, il n'y a pas un succès où genre, si t'as gardé tes champs intacts, c'est bon. Je pense qu'on y va. Hein. Fou l'archer, là. Hein. On a eu pile de quoi les mettre niveau 3. Deux archers et une fléchette. Ouais, j'avoue que le une fléchette devant là. Je peux pas l'améliorer à fond mais vas-y, on part sur ça. Là, y a des dragons dans le jeu. Pourquoi ça tire pas? Ok. Bah j'ai bien fait de mettre... Bah ouais, du coup, elle aurait dû être déjà archer aussi, ça. Et okay. Ça fait peur, ça va rentrer, non? Oh non, si ça rentre, parce que là, j'ai pas mis... Ça va rentrer, ça va être terrible. Ça va rentrer parce que là, j'ai pas mis... d'archer. J'aurais dû m'écouter. Je suis dégoûté. Parce que sinon on vient en vague 8. Et c'est quand même 3 vagues en arrière. On en était où? Aïe aïe aïe. Oh, j'ai envie de le faire. Hein. Ninja. Alors ninja, c'est le moment où on avait amélioré le gel. Je crois... Oh, le dernier jeu de la soirée qui va partir aux oubliettes. Hein. Ça part. Salut Zenfir. Bon, au moins on sait à quoi s'attendre. Dragon à la fin. Hein. Donc là c'est quoi déjà? C'est ninja. Hein. Ninja. Tac. Tac. Améliorer. Ah oui, celles-là sont toujours niveau 1 du coup. Non, c'est bon. Ok. J'avais mis une arbalète là-haut, je crois, à ce moment-là. J'avais amélioré. Ok. Ah, quand même, on a tout fait en parfait. Ce serait dommage de pas aller chercher juste le dernier dragon, quoi. Faut que je repasse le tour de tout. Hein. Niveau 3. Qu'est-ce qui n'est pas amélioré en fait?
ça là-haut. Tellement dommage. Ça esquive tellement. Ça c'est niveau 3 déjà. Ok, niveau 3. Améliorer ça. Ok, ça c'est bon. Ici. Ok, pas mal. Donc là on était sur du divers. Qu'est-ce qu'on avait fait pour le divers? On a dû améliorer ça, je pense, à fond. Et on a émis une... Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a émis une tour au bout. Non, c'est pendant ce truc-là qu'on a émis une tour au bout. Ok, vas-y, fonce. Fonce. J'ai pas de raison, ça a super bien tenu. Ils sont jamais arrivés sur le chemin, hein, donc on avait pile le bon setup, je crois. Hein. Limite, envie de remplacer un gel ici par un archer, quoi. Alors. Tac. Archer. Upgrade. Ok. Ça s'était passé comme ça tout à l'heure? Ouais, je crois. Hein. Oh, le bazar! J'avais remis là, mais en vrai, je pense pas que ça serve ici. J'avais remis une arbalète tout à l'heure. T'as le jeu, il m'a tenu toute la soirée. Et il est trop bien en vrai. Non, il est vraiment bien. Hein. Ouais, puis là, on avait fini avec plein de thunes en vrai. Ouais, voilà. Voilà. Alors maintenant qu'on sait à quoi s'attendre, je peux vous dire. Je peux vous dire. Je peux vous dire qu'on va les accueillir avec beaucoup de plaisir. Aucun abus, hein. Voilà. Voilà, je peux vous dire que les dragons, je les attends de pied ferme. Allez-y là! Vas-y, au revoir là! On va voir si t'arrives au bout là. Ah, bizarre, ça marche moins bien hein! Il tank tellement lui, c'est abusé. Ah, c'est quand même le genre de mob où si tu sais pas à l'avance. Paf! Voilà! Et donc là, c'est la fin de la démo, je suppose. Je pensais qu'il y aurait un petit message. Bon, on a fait les 5 premiers niveaux. On n'a pas fait celui-là en or, mais vous m'excuserez, je vais m'arrêter là pour cette session. En vrai, c'est trop bien, le jeu est très cool. Visuellement, ça marche bien. Les musiques, je m'en suis pas lassé et c'est pas quelque chose qui m'a fait sortir de l'immersion, donc c'est que ça fonctionne très bien. Les mécaniques de jeu ont l'air sympathiques. Je pense que ça peut encore bien plus se développer en avançant dans le jeu. Non, très cool. Vraiment très cool. Un bon tower defense, ça marche super bien. Rien à dire. Hâte que ça sorte. Peut-être qu'on en fera en stream sur des après-midi ou quoi, j'en sais rien. Mais ouais, non, très cool. Bah, puis moi, ça me vortex ce genre de jeu. T'as envie d'aller chercher ce petit point manquant. Mais du fait, ouais, on était en difficulté artisan. Et j'imagine que si tu veux tout faire, faut faire tout en maître. Ça doit être horrible. Hein. Horrible. Bref, voilà pour ma petite découverte PTDR. Petite découverte de artisan TD. Extrêmement cool. Ça sort le 22 juillet, hein, c'est ça le chat. 22 juillet. Et voilà. Éditeur, enfin, comment dire, studio de développement français en plus. Donc, Cocorico, tout ça quoi.
Voilà YouTube, 3 heures de découverte sur ce jeu, incroyable. N'hésite pas évidemment à aller wishlister le jeu si tu regardes ça dès que ça sort. Et puis si le 22 juillet est déjà passé, pourquoi pas aller acheter le jeu. Évidemment. À la prochaine, d'ici là prends soin de toi bien sûr. N'oublie pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Twitch, les liens dans la description. Salut YouTube, des bisous.